YouTube, bonsoir, c'est Sean Kazma, j'espère que tu vas bien. On est back, messieurs, dames, de retour pour une V2 de cette aventure sur Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Initialement, on avait fait une découverte hier en jouant un petit peu près une heure, histoire de terminer la première grosse partie, de voir un petit peu comment ça fonctionne. Et au final, j'ai bien aimé mon expérience, il y a des choses à en redire. Cela dit, c'est Mario Luigi, et j'adore Mario Luigi, je voulais absolument vous faire quelque chose un jour sur la chaîne. Le problème, c'est que je suis une bille et que j'avais très très mal optimisé le son. Donc, la session qu'on a tournée hier est difficilement regardable. Le son du jeu explose les oreilles, j'ai du mal à m'entendre juste dans la rediffusion. Donc pour YouTube, j'ai préféré laisser tomber et repartir de zéro. L'occasion aussi, dans ce premier épisode, d'essayer d'aller plus loin. Parce que le jeu est intéressant, on va en reparler, mais vous allez voir que si vous n'êtes pas habitué à ce genre de jeu, c'est un mélange entre un jeu d'aventure façon RPG, avec des codes, du combat au tour par tour, des niveaux, des objets, des équipements à avoir et des objets à utiliser, et un jeu de rythme, parce que, ça va être très important, des actions vont devoir être effectuées en appuyant sur les bonnes touches au bon moment. Et messieurs, dames, introduction ! Avec le cas Luigi, qui fouillait un problème en direction de cas Mario. Et la DA est géniale. J'aime trop les cinématiques. Et au passage, c'est la nouvelle VF de Mario. Enfin, la nouvelle VF, la nouvelle VO. Excellent. Le pouvoir du haki des Rei. My brother, nous avons un pouvoir. Mamma mia. Ah, c'est stylé, j'adore ces cinématiques. Shenron ! Exauce notre souhait ! Fais de Nintendo une licence qui puisse sortir sur Xbox et PlayStation. Oh là 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 là, ça a l'air bien, ça a l'air bien, ça a l'air vraiment bien. Bowser aussi est touché par la lumière. Ça veut dire qu'on va retrouver Bowser dans l'aventure. J'arrive, my brother. Le pouvoir du haki des Rei. Si le jeu sera peut-être pas parfait, en tout cas la DA est sublime. La DA est incroyable. Mario et Luigi chat, l'épopée fraternelle. Le énième jeu d'une grosse saga qui a eu pas mal de jeux, notamment sur les consoles portables. Hein. Je crois d'ailleurs uniquement les consoles portables, parce que j'ai pas souvenir qu'il y ait eu un Mario Luigi avant sur console de salon. Mais bon, vu que la Switch est une console cross-platform, c'est l'avantage. Du coup, nouvelle partie de chat, je voulais absolument vous montrer cette cinématique parce que, bah, en fait, on va être dans la continuité de tout ça avec Mario et Luigi qui ont été emportés vers un autre monde qui va nous être compté dans ce jeu. Et petit point sympa, contrairement aux jeux de plateforme, j'en avais parlé hier, j'en reparle aujourd'hui. En général, dans ces jeux-là, c'est pas forcément Bowser le méchant. Et ça fait du bien. Parce que Bowser, on l'aime, mais pas forcément que en tant que méchant. Et d'ailleurs, je pense qu'on va le retrouver, le Bowser. Parce qu'on dirait que lui aussi, il a été aspiré, peut-être même Peach. J'avais pas forcément vu ça la première fois. Je veux des points de feu. Les points de feu, on en reparlera plus tard. Messieurs, dames, nouvelle partie. Et on va redécouvrir ça ensemble, et on va reparler un petit peu du système qui, moi, me plaît, mais qui plaira peut-être pas à tout le monde, notamment aux personnes qui sont pas trop fans du genre en général. Mais franchement, le jeu est chouette.
Mamma mia. Un crabe. Avec une grosse pince. Mamma. Dans mon gros nose. Faltiti. Oh, c'est doux. En fait, ça fait très jeu de vacances. C'est le One Piece, chat. C'est le One Piece. Et Case Luigi avait disparu. On va devoir le retrouver. T'es mal à la taille de la mouette. Ça, c'est de la grosse mouettasse. D'ailleurs, maintenant que j'y réfléchis, ça fait vachement penser à un boss, en fait. Donc, messieurs, dames, nous voici au cœur du jeu. Alors, on avait déjà essayé hier, mais je crois qu'on peut rien faire. Pas de start, pas de select. C'est ça. Alors, du coup, techniquement, c'est un jeu d'aventure, c'est un RPG. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'expérience à prendre. Il y a une barre de vie. Il y a une barre d'énergie qui, ici, s'appelle la barre de PF. Qu'on appelle, nous, la pointe de fer. Parce que c'est très drôle. Et du coup... Il y a des caisses. Ma! Ma ma ma! Boya! Parce que ça fait du bien par où ça passe! Et du coup, on va parler un petit peu système de combat, chat. Que j'aime beaucoup. Vraiment, ça existe depuis le premier jeu. Mais les jeux Mario Luigi, c'est du coup des jeux un peu de rythme. Et le tuto va mieux l'expliquer. Alors, les attaques sautées. Choisissez l'ennemi à attaquer avec saut. Appuyez sur le bouton au bon moment lorsque vous piétinez l'ennemi pour que l'attaque soit considérée comme réussie. Vous pourrez ainsi le piétiner à nouveau. En gros, ce qui va se passer, c'est que... Donc, vous avez l'attaque de base, les objets et la fuite. Et en gros, l'attaque, donc comme ils l'ont expliqué, on va appuyer sur A pour attaquer. Et au moment d'atterrir sur l'ennemi, il faudra appuyer sur la touche d'attaque par rapport au personnage, et c'est très important de le dire, pour que l'attaque soit accentuée. Je m'explique. Attention. Action. Blep. Blep. Là, j'ai appuyé deux fois sur A, à chaque fois qu'il y a eu un impact. Comme ça, j'ai refait une attaque. Plutôt que d'attaquer une fois, j'ai attaqué deux, voire trois fois. Et du coup, je parle bien d'interaction par personnage, parce que quand on aura récupéré Luigi, vu que ça s'appelle Mario Luigi, c'est dans le titre, vous verrez que les actions sont les mêmes à peu de choses près. Alors, on peut aussi le faire pour esquiver. Ça veut dire que cette fois-ci, dans l'autre sens, il faut appuyer sur A pour sauter. Et on peut soit esquiver l'attaque, soit essayer d'atterrir parfaitement sur la tête du Bulbé. Des choses simples pour essayer de faire le perfect. Ça paraît simple comme ça. Et en même temps, vous allez voir que dès qu'on aura Luigi, tout de suite, ça va devenir un peu plus technique parce qu'il faut penser que tel personnage peut faire certaines choses. Il y a aussi le système de défense qu'on n'a pas encore vu. Il y aura des capacités spéciales qu'on n'avait pas non plus vu hier d'ailleurs, mais qu'on va découvrir dans le jeu. Globalement, c'est tout ça. Plus accessoires, armures, objets utilisables, combat de boss, combat unique où il faudra faire certaines actions en particulier. Et du coup, le système d'expérience que j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, vous voyez le petit drapeau là qu'il y avait ? En fait, ce drapeau, il va monter. Et en fait, c'est la barre d'expérience qui va essayer d'atteindre le haut pour passer le level up. Et je trouve ça trop marrant. En fait, la DA est trop bonne. J'aime trop la DA de ce jeu. Et surtout, c'est le retour de Casmarillo. Après, encore une fois, c'est pas un jeu qui conviendra à tout le monde. Hein. D'ailleurs, question chat. Vous êtes plutôt Mario de plateforme, genre Mario conventionnel. Vous êtes plutôt Mario mini-jeu, type Mario Party, Mario Kart. Ou plutôt, Mario RPG. Plutôt Paper Mario, Mario Luigi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi votre petit Mario à vous, genre? C'est de la grosse caillasse. De la grosse caillasse infranchissable. Oh. D'ailleurs, pour la petite anecdote que vous allez vite comprendre, mais Luigi, c'est un banger. Luigi, à chaque fois qu'on va l'avoir, c'est un banger. Il fait que des dingueries. Un bon magret de mouette. MDR. Le retour du Fatiti. Luigi. Dès qu'on aura mes bradas. C'est exactement ce qu'il aurait fait. Le connaissant, c'est exactement ce qu'il aurait fait. Mais en fait, peut-être qu'on peut pousser la boule à deux, non? J'y ai pas pensé. Quoique, c'est Fatas. Oh, peut-être que c'est en lien avec Bowser. Ah, j'y ai pas pensé non plus. Bah parce que vu que c'est un RPG, y a vraiment des moments où il y a d'autres persos en général. Et dans les vieux Mario Luigi, on pouvait jouer Bowser, il me semble. De souvenir. J'en ai fini deux à l'époque, mais ça date.
je m'en rappelle plus vraiment, mais je suis convaincu qu'on pouvait jouer Bowser, et chaque perso a genre des actions spéciales. Donc je suis convaincu que... Ah putain, ouais, j'avais pas pensé. En fait, les gros cailloux, là, c'est Bowser qui les pète, donc ça veut dire qu'il y a Bowser dans le jeu. Trop bien. Et du coup, ma barre d'XP, elle augmente. Et ça, c'est trop cool. Moi, plutôt Mario RPG, Paper Mario. Ah, mais moi, je suis fan, hein. Ce genre de jeu qui pousse le truc plus loin que juste un jeu de plateforme. Attention, hein, j'adore tous les Mario en eux-mêmes. Mais ouais, non, je sais pas, j'adore ce genre de délire. C'est comme, je disais hier, c'est comme Megaman. Hein. Megaman, moi, je suis surtout fan des RPG. Hein. Les Battle Network. Qu'est-ce que j'adore. D'ailleurs, je suis très déçu parce que, techniquement, ils ont proposé une version portage sur la Switch des Megaman Battle Network. Je crois que t'as genre une dizaine de jeux. Mais les jeux sont que en démat et que en anglais. Je trouve ça stupide. Alors que genre tous les jeux, ou presque, sont en français, sauf le premier. Mais du coup, le premier, tu peux le trouver avec un patch. Et genre, ça aurait été trop bien, en fait. J'aurais adoré jouer à ces jeux-là sur la Switch. Mais non. Parce que comme d'hab, c'est des jeux trop nichés. Donc on se dit, fuck it. De toute façon, personne n'y jouera. Donc autant les laisser en anglais. Et moi, ça me... Moi, ça m'attriste. Ok. Chat, vers le nord. Hmm? Oh, les fantômes des My Brother. Il est mort. On va retrouver sa tombe. On va retrouver la tombe du Brother. Ok. On va s'enrichir, chat. On va s'enrichir. Du coup, j'ai pas eu l'occasion de savoir si c'était vraiment un jeu où par contre il y avait besoin de faire de la prise de niveau. Genre, est-ce que le jeu sera toujours plus ou moins accessible, ou est-ce qu'au bout d'un moment, il va vraiment me faire galérer ? Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, des bisous à ceux qui nous laissent. Pas de trace de ma brother. My brother. C'est son fantôme. C'est son fantôme. Où es-tu, my brother ? J'ai hâte, chat, j'ai hâte. Ok. Luigi? Oh, j'adore. Oh, je suis fan. Ah, la deuxième fois, c'est toujours aussi cool. La base, c'est un gros bateau. C'est trop bien. Avec une voile arbre. J'arrive. My brother. Uh-oh. Mama. Victoire! Luigi! T'es le plus beau, Luigi! Oh, thank you! Oh, Mario! Oh, il est trop mignon! On t'aime, Luigi! On t'aime! On sait tous que t'es mieux que Mario! On le sait tous! Un jour, chat, un jour on se fera les Luigi's Mansion. J'espère vraiment qu'un jour on aura le premier. La version GameCube sur la Switch. Comme ça, on aurait enfin toute la trilogie, bordel. Tu as retrouvé Luigi. L'aventure peut réellement commencer. Oh, Luigi. Que passo? Spaghetti. L'aventure avec Luigi. Luigi suit automatiquement les déplacements de Mario. Appuyez sur B pour que Luigi saute. Qui, pour l'instant, n'a pas beaucoup d'utilité. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu depuis le début, mais on croise des caisses comme ça, là. Pour l'instant, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit, on n'a pas ce qu'il faut. Donc c'est pour ça que je zappe intentionnellement, mais j'ai vraiment hâte qu'on obtienne potentiellement le marteau. Je suis sûr que c'est un marteau, parce qu'il y a toujours un marteau dans les Mario Luigi. Et là, je ne l'ai pas et ça me frustre. Je suis contente que tu aies retrouvé ton brother. Elle a une tête de Pokémon. Alors tu dois être Mario ? Kaz Mario ! Mamma mia ! À la recherche du One Piece ! C'est génial comme concept. Pourquoi on a pas fait la blague hier? Enchanté, je m'appelle Amperia. Ça va, le son est bon pour vous? Il est pas trop faible, pas trop fort? Luigi est tombé du ciel tout à coup. C'était vraiment surprenant. Oh, il se faisait beaucoup de soucis pour toi, Mario. Elle capiche pas, c'est Kaz Mario. Fotiti, Fotiti. Comment? Tu aimerais savoir où tu te trouves? Je l'ai déjà expliqué à Kazuigi, mais je peux le refaire pour toi.
nous sommes à Connexia, un endroit charmant. Enfin, à l'époque. Connexia, prise, tout ça. D'ailleurs, je viens juste de capter, mais en fait, ces espèces de couettes-là, c'est deux câbles découpés. Voilà, je suis loin la détente, mais je viens juste de le capter. En plein centre de Connexia, figurait un arbre immense appelé l'Unicea. Il maintenait le continent en un seul morceau. Une énergie appelée Harmonéon émanait de cet arbre et se répandait dans le monde. Cet Harmonéon nous permettait de vivre en paix et en harmonie. Cependant... Dumbledore. L'arbre a été détruit et le One Piece a sombré. Et Connexia s'est violemment morcelé. Mamma mia! C'était ça qu'on avait dans la cinématique au début, la vision du monde qui se fragmentait. C'était si étrange. Le sol s'est scindé en de nombreuses îles à la dérive. Ma! Et bienvenuto! Au Kazma qui nous rejoigne! Je me suis évanoui, et à mon réveil, j'étais ici, sur le navisme. Par contre, j'ai pas compris le jeu de mots avec navire et isme à la fin. Si quelqu'un l'a, parce que j'ai pas compris. Connexia, connexion. Amperia, ampère. Mais le navisme, je l'ai pas. Ensuite... J'ai planté une graine d'unicéa juste ici. Et c'est devenu une voile arbre. Moi, les univers où il y a des arbres géants, je suis toujours fan. S'il y a ça et tu me rajoutes un aéronef juste derrière, je... Le cerveau, il explose. Il implose même. C'est le nouvel unicéa. Il est encore petit, mais il va pousser, pour sûr. Mama. C'est mon devoir de prendre soin de l'unicéa. Je suis volticultrice, mais encore débutante. L'arbre nous apporte déjà certains de ses bienfaits, vous savez. Il est devenu assez grand pour sécréter de l'harmonéon. Mama. Ce jour funeste, le continent a éclaté. En de nombreuses îles dérivantes jonchant les courants. Si nous parvenons à raccorder l'unicéa aux îles dérivantes, alors nous pourrons utiliser la puissance de l'harmonéon pour reconstituer notre monde. Oh! Kaz Mario, Kaz Luigi, vous venez d'un autre monde, n'est-ce pas? Tout à fait. Si seulement il existait un moyen de vous permettre de rentrer chez vous. Peut-être que si on se recheck, grâce au Haki des Rey! Kushomb, je me demandais où tu étais caché. Le meilleur perso. Le meilleur perso. Ah, je vous le dis. Je suis bien sous cette casquette. La douce couleur d'une prairie verdoyante, ça réchauffe mon cœur de cochon, pour sûr. Ho, ho. Ho, ho. J'ai peut-être trouvé le jeu de mots. Ah, je veux bien savoir. Pour le navisme, encore une fois. Hein. Si quelqu'un sait pourquoi navisme, parce que je l'ai pas. Mais ne me faites pas dire que ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas un cochon. Ho, ho. C'est pas des narines, c'est mes yeux. Alors chassez toute idée de bacon quand vous me regardez. Capiche? Lui, c'est Kushomb. C'est l'un de mes amis. Il a l'air d'avoir pris ses aises sous la casquette de Luigi. Vous cherchez un moyen de rentrer chez vous, n'est-ce pas? Je vais vous trouver ça, moi. Ho, ho, pour sûr. Mais en échange... Bon, ça va vous paraître un peu étrange, mais... J'ai une faveur à vous demander. Ho. Vous voulez bien nous filer un coup de papate pour accorder les îles dérivantes? Ho. D'abord Luigi qui tombe du ciel, ensuite Kaz Mario qui débarque en brunissant. Boing, boing. Si vous voulez mon avis, ça c'est un signe, pour sûr. Le cochon qui disait pour sûr à chaque fois. Luigi, Mario, vous en dites quoi? Faisons équipe. Vous, Amperia, et moi, ho, ho. C'est pas le... C'est vrai? Vous acceptez de nous aider? Pour sûr. Enfin, je veux dire, ok. Enfin, c'est sympa, merci. Merci mille fois, je me sens déjà un peu rassuré. Du coup, je vais vous faire visiter le coin-coin. Je viens de capter. Je... Non, pardon. Il l'a pas encore fait, mais normalement, genre, au bout d'un moment, il dit le groin et... J'étais en train de me dire, s'il nous fait visiter le groin, c'est extrêmement drôle, mais il l'a pas fait, dommage. J'ai des tas de trucs à vous expliquer. Allons-y. Partons à la recherche d'îles dérivantes. En route, mauvaise tourte. En vrai, le jeu est mignon, mais les meilleures blagues, c'est Luigi qui les fait. Vraiment. Vraiment, pour sûr. Pour sûr! D'ailleurs, je me demande si c'est plus simple de faire avec Luigi. De taper sa tête contre les caisses. Ah, je ne sais pas. Tout d'abord, vous allez passer pas mal de temps à regarder la carte, sans parler des tas d'objets que vous allez vous trimballer. Alors, faites ce que vous avez à faire. Ma? Qu'est-ce qu'on a à faire?
Bon allez, oh, faut tout faire soi-même. Faut appuyer sur Start. Croin ! Il me fume, on dirait vraiment le cochon des Seven Deadly Sins. C'est un anime ce jeu. Alors depuis le menu on peut tout gérer, donc on a la map. Attendez. Donc on a la map, on a les objets, on a les équipements, les statistiques et le menu options qui se résume à retirer les vibrations. Et on a aussi nos niveaux de chat. Et on sait qu'on est niveau 1, on est des merdes. On est des merdes. On est des merdes. Et au niveau des objets, on est des merdes. Pareil. On a rien du tout. J'ai 5 champignons quand même, hein. C'est pas tant la dèche que ça. Hein. Et du coup on peut modifier les bots. Comment ça s'appelle? Les salopettes, merci. Et les accessoires. D'ailleurs, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que ça aurait pu être sympa que ça soit visuel. Avec des salopettes différentes, genre. Pour afficher la carte ou utiliser les objets, appuyez sur Start. Tâchez de pas l'oublier, hein. Si jamais vous oubliez comment faire quelque chose pendant l'aventure, consultez les leçons couchons dans Options et Guides. Venez, j'ai encore d'autres trucs à vous montrer. C'est Chopper. C'est Chopper ou le cochon des Seven. Au choix. Ce jeu, c'est l'aventure. Poui poui! Pour sûr! Tada! Ça, c'est du canon, hein? 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 Il a la taille idéale pour contenir un duo de courageux moustachus! Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Pour vous rendre sur les îles, pour sûr! Oh non, non, non! Vous pigez vite! Fatiti! Un culo, puta madre! On peut pas dire que c'est une mauvaise idée, n'est-ce pas? Surtout quand on en a pas d'autres! Pour sûr! Vous allez vous propulser tous deux vers l'inconnu! Ma maman! Alors, c'est sûrement un jeu de mots entre navire et hissier. C'est pour tirer une connexion entre les mondes qui se sont séparés pour les rassembler. Entre navire et hissier, ça fait navisme? Ouais. Non, l'idée est pas bête. Je vois pas trop où tu veux en venir, mais l'idée est pas bête. Ouais, si. Je sais pas. De toute façon. C'est forcément un truc comme ça, c'est sûr que c'est ça. Parce qu'effectivement, l'objectif étant de retrouver les îles, de les reconnecter et de recréer leur premier monde de base. Donc, ouais, si, ça doit être ça. Mon explication est bancale. Pas tant que ça, c'est juste que c'est pas le mot exact, je pense. Je pense qu'il y a de l'idée. Je pense que c'est 100% ça. Juste, le isme correspond pas à IC. Je pense que c'est... esthétisme, peut-être. Je sais pas, franchement, le isme me bloque. Oui, je sais, si nous pouvions faire autrement, nous aurions déjà essayé. Désolé. Mais je vous accompagnerai, y a pas de quoi s'en faire. Ho ho! Hé hé, je vois une île dérivante! Vous trouvez cette coïncidence bien pratique, n'est-ce pas? Oh, moi je m'en plains pas. Il doit y avoir un phare sur cette île. C'est là qu'on doit se rendre. Un phare? Je vous expliquerai la suite en chemin. Pour le moment, allumez l'archi-canon! Ok. Allons-y, chat. Et donc? L'archicanon. Quand vous utilisez l'archicanon, déplacez le viseur avec le joystick, ciblez une île, appuyez sur A et vous vous y propulsez. Pour certaines îles, il vous sera impossible de rentrer au navisme avant un certain temps. Ok. C'est parti, chat. Terre en vue. Gorulia. Et du coup, hier, on avait eu l'occasion de faire toute cette île. Donc en fait, ça prend pas tant de temps que ça, je pense. Je pense que chaque île qu'on va trouver sur notre chemin prendra à peine plus de une heure et demie. Hein. À mon avis, ce sera à peu près ça à chaque fois. Moi, j'ai juste peur d'un truc, parce que même si j'apprécie le jeu jusqu'à présent, et de toute façon, on va le savoir vite, hein, mais j'ai peur que ça devienne répétitif. Parce que si on part du principe que le process, c'est d'aller jusqu'au bout d'une île, de la reconnecter et de recommencer X fois, j'ai peur que ça, fois X, ça soit longué. Mamama ! On va se paix ! T'es la goulasse, atterrissage parfait ! Ah, eh, pas pour tout le monde. Tout va bien. Tout va bien. Oh yeah. Oh yeah. Let's go. Nous voici, messieurs, dames, sur l'île tuto. La vraie. Celle où on va voir les bases. L'île de Gorulia. J'aime trop les persos, par contre. Je sais pas s'ils ont tous cette tête-là sur les îles où on va. Oh, salut. Salut. Bonjour. Vous n'êtes pas d'ici, vous? Comment vous êtes arrivé là? Ah, Fontiti, Spaghetti. En canon express, pardi, pour sûr. Carbonara. On est là pour accorder les îles dérivantes. Ho ho. Mais là tout de suite, on doit se rendre au phare de l'île. Tu saurais pas où il est par hasard?
Si, mais vous ne pourrez pas y aller, le portail du chemin est fermé. On va l'ouvrir. Pas de panique, chat. Pas de panique. Pas de panique. Ah oui, il y a ça aussi comme problème, c'est vrai. Ah oui, c'est... Oui. Oui. Ça a pas l'air sable. Le phare est au sommet de ce rocher en forme de bol, tu dis? Enfin, au besoin, vous pourrez toujours parler à Manfetou. C'est notre chef ici. Voilà une bonne idée. Trouvons d'abord Manfetou, j'expliquerai le reste au phare. Quel personnage incroyable au passage. Ok, alors attendez. Donc, on a toujours les caisses qu'on peut pas péter. Ça oui. Alors avec ça, on récupère la vie. Vie qu'on n'a pas perdue d'ailleurs. Les points de vie et les PF. Les points de feu. On en profite, chat. On fait notre première save. D'ailleurs j'ai pas fait attention, mais est-ce que si je meurs dans un combat, je reviens à la dernière save ou je reviens avant le combat? Parce que imaginez, genre on joue 2 heures à l'ancienne et que je meurs. Est-ce que je reviens il y a 2 heures? Ça j'ai pas l'info, chat. Ah, au secours, au secours! Nya nya! Mais qu'est-ce qui prend le couille, ceux-là? Oh, ils vandalisent notre art, ça les amuse. Ils ont pas l'air commodes, pour sûr. Let's go, leur péter la glace. Hé, hey, vous, police. Police de la moustache et du charisme. Bagarre à deux, chat, bagarre à deux. Et là, du coup, on va parler rythme. Ok, alors, du coup, avec Mario, c'est toujours la même. Sauf que du coup, ce qui va se passer, c'est que maintenant, il y a Luigi. Et avec Luigi, on peut combattre. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut appuyer sur la bonne touche liée au bon personnage. Donc ça veut dire qu'en gros, si Luigi me file un coup de main, il faut que j'appuie sur B, vu que B sera la touche de Luigi. Par rapport au code couleur, en fait, simplement. Ok, on y va. Soy A B A. Ouh. Des choses simples, pour sûr. Quand c'est son tour, Luigi peut aussi agir, combattre en équipe pour vaincre les ennemis. Pour que Luigi agisse, appuyez sur B. Let's go. Soy. Et du coup, inversement. Et boum. Et du coup, inversement avec Luigi, du coup, vu que c'est Mario qui l'aide, bah, du coup, c'est A pour lui. Donc Mario, c'est genre ABA, et Luigi, c'est genre BAB. Lorsque l'ennemi attaque, il visera soit Mario, soit Luigi. Et ça, c'est le plus compliqué, chat. Parce que là, du coup, faut être attentif. Soy. Ok. Le but du jeu, c'est de pas prendre de dégâts, donc au pire, au pire. Je refais pas de dégâts quand il m'attaque. Et si au moins je peux Keblo l'attaque, ça c'est bon. Par contre, le son en combat, il est super fort. J'espère que vous m'entendez, en vrai. Ça se trouve, je parle, et peut-être je parle trop même. Soy. Ah non, je me suis gouré. Ok, on se concentre. Soy. 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 En fait, c'est ça le truc, c'est que... Au niveau de la facilité du jeu, t'as tendance à vouloir appuyer sur A avec Luigi alors que bah pas du tout, tu vois. Let's go. Niveau sup. Bravo, bravo, my brother. J'aime trop, j'aime trop. Et du coup... Et du coup, attendez, je regarde un truc, mais... Donc, est-ce que au niveau 8, je vais drop un objet? Il y a ma moustache qui augmente. Oh, je crois qu'on avait vu un truc par rapport à la moustache. Je crois qu'en gros, t'as les PV, l'attaque, la vitesse, donc l'exécution, la défense, la résistance. Les PF, c'est les points d'action qu'on n'a pas encore, vu qu'on n'a pas d'action spéciale. Et je crois qu'on avait vu hier, je crois qu'on m'avait dit que la moustache, c'était en lien avec la chance. Genre, en gros, si t'augmentes sa moustache, t'auras plus d'objets sympas pendant les combats. Tu gagnes de l'XP, tu prends des niveaux, tu deviens plus fort, etc. Et du coup, Luigi est un peu en retraite. Va falloir qu'on max Luigi tap. On se barre pas d'ici tant qu'on n'est pas niveau 25. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça va être trop long. Waouh, qu'est-ce que vous êtes fort! Merci de nous avoir aidés. Oh. No problemo. D'ailleurs, qui êtes-vous juste? Ah, juste des compas. Oh, Titi. Spaghetti. Oh, des visiteurs d'un autre monde. Je me demandais justement d'où vous veniez. Je me disais que vous aviez une dégaine qu'on ne voit jamais à connexion. On t'en mêle. Et ces fières moustaches que vous arborez, elles sont vraies? Ah, elles sont superbes même, en tout cas. Oh, je sens l'étincelle de l'aspiration allumer le brasier de mon talent artistique. C'est une île d'artistes. Si vous voulez aller au phare, vous devez demander l'autorisation à la chef Fetou. Amman Fetou. Moustache time. Vous méritez bien ça en récompense. J'espère que ça vous sera utile. Oh yeah. Champignon.
Du coup, les champignons, c'est les potions, en gros. D'ailleurs, je crois que si je me rappelle bien, les up, les champignons verts, c'est les queues de phénix pour ressuscite. Les objets sont dispo dans le menu. Si vos PF ou vos PF. Attends, si vos PV ou vos PF sont bas, restaurez-les. Oui, d'accord. Certains objets ne sont disponibles qu'en combat. Ah, bah oui, logique. Les objets de combat, du coup. Il y a toujours des routes barrées, hein. Des routes qu'on ne sait pas comment les péter. Ce rocher a l'air fissuré. Un bon coup avec le bon outil devrait suffire à le détruire. Je suis convaincu que c'est le marteau. J'en suis convaincu. Et les passages comme ça, on peut pas y aller non plus parce que du coup, de ce que j'ai compris, il y a de l'intérêt à revenir une seconde fois dans les lieux visités, en fait. Et boum ! Ah ! Facile ! Soi ! Bien, c'est Luigi. Alors, par là, il y a quoi ? Super, parfait. On peut pas cheat le game, non ? Non, c'est vrai. Alors, attends ! Non ! Les salauds, j'avais pas vu. Oh, j'avais pas vu ça hier. Il y a des cubes cachés. Oh là là. Chat. On arrête tout. Si vous voyez des caisses, dans l'ombre, genre, n'hésitez pas à le dire. De toute façon, je pense que les endroits, ils seront spotted, en fait. Si tu vois un endroit un peu marqué et qu'il n'y a rien, c'est qu'il y a forcément un truc. Oh, c'est Hurluberlu, nous tourne le dos. Punchline, les années 80. Comment ? Je suis daté ? Vous voulez lui sauter dessus avant qu'il nous attaque ? Si ! On lui pète sa gueule ! Et boum ! Attaque dans le dos. On y va ! Assaut déclencheur. Si on attaque en premier, on fait plus de dégâts. La base. Ok, chat, on a vu la base. Maintenant, on y va. Excellento ! Ah. B. A. B. Faut vraiment rester concentré. Et boum. Et boum. Perfect. C'est fini. Chacal. Et boum. Mais chose simple. Luigi time. Ma niveau sup. Ok, nice. Nice. Et d'ailleurs, attends. Luigi, il a 27 en moustache. Pourquoi Luigi, il a plus de moustache que moi? Chat, Mario, il a 14 en moustache. Pourquoi Luigi, il a plus de moustache que moi? Pourquoi Luigi? Même le jeu, il dit Luigi, il a plus de charisme, en fait. Je suis énervé, ça va pas se passer comme ça. En fait, c'est surtout que je peux pas jouer Luigi, en fait. Je voudrais bien pouvoir jouer Luigi... Et à ce moment-là, genre, on aurait une méta incroyable. Ça deviendrait... Ah ! Je suis paniqué. Ah, je peux sauter avec les deux. Ah, c'est pas mal, ça aussi. Et boum ! À ce moment-là, ça deviendrait Luigi et Mario. L'épopée fraternelle. Le Haki de Rei. Et boum ! D'ailleurs, le Haki de Rei, Voyage en mer, le One Piece. Tout est lié, hein. Bon, je dis ça, je dis rien, le jeu est bien fait. C'est l'aventure de One Piece. Let's go! Ok. Le matos. Boum. Et boum. Là, y'a rien de caché, genre. Ah. Ça, je vais pas aimer. Hein. Par contre, s'il commence à y avoir des caisses de cachés, je vais avoir envie de toutes les avoir. Ça va être terrible. Je sais pas s'il y a de l'intérêt à faire les annexes dans le jeu. Parce que je sais pas s'il y a des quêtes secondaires. On n'a pas eu le temps de le voir, ça. Ok. On prend du niveau, chat. Et boum, et boum, et boum. D'ailleurs, pour avoir un petit peu testé le jeu, hier, genre 2-3 minutes en version portable, ça marche bien. Ah mais non, je suis mauvais. Je vous jure, j'ai vraiment pas le réflexe. Ah, c'est bon. Pas bien. Mario, c'est aucun souci. Mais alors Luigi... Luigi, j'ai pas le réflexe. La deuxième attaque, ça va. C'est la première, en fait, que je chie à chaque fois. Ok. On avance. Avec son visage fin, sa moustache ressort plus. Ouais, mais du coup, ça veut dire que de base, il a plus de chance que moi. Ce qui est pas forcément vrai, d'ailleurs. Hein. Surtout dans l'introduction, on se sait. Hein.
L'aventure, ça commence quand même par Luigi qui se fait pousser par des abeilles. Moi, je dis ça. Je dis rien. Oh, c'est le meilleur moment. Je pense que c'est le meilleur moment de tout le jeu. On se rappelle. C'est l'heure du Luigi time. C'est l'heure de la moustache time. Hé hé, alors Luigi, t'as pas un éclair de génie là? J'adore quand il fait ça. Allez, Luigi time, c'est goldé. Luigi time. Ah putain. Ah, il m'énerve d'avance. Ah, vous êtes pas prêts. Attention. Hein. Technique de génie. Voilà. Je vous avoue que quand j'ai vu ça hier... Ah, j'étais pas prêt, putain. Tu t'attends à tout sauf à ça. Allez, dandine-toi. Dans n'importe quel jeu, pas méta, tu fais le tour. Le forceur. Ah, c'est génial. T'as envie que ce soit la miniature, en fait. Ce sera pas la miniature, mais t'as envie que ce soit la miniature. Ah, c'est goldé. Ah, c'est goldé. Y a pas d'énigme. Luigi casse l'énigme. Grâce au génie de Luigi, vous pouvez avancer. On t'aime, Luigi, bordel. Toi et ta moustache à 27, là. Et du coup, des fois, il a des éclairs de génie comme ça. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que quand il a cette aura de Super Saiyan moustache, genre, et que tu es près d'une interaction, tu peux appuyer sur L et Luigi, il va faire quelque chose. Et ça, c'est génial. Mais je veux voir d'autres actions de Luigi Time, s'il vous plaît. Bravo, c'est un garçon. Bravo, c'est une belle moustache. Waouh, je sais pas d'où ça t'est venu, cette idée, mais surtout, t'arrêtes pas. Ouais, il regarde des vidéos obscures sur Internet, hein, c'est... C'est rien, hein. Heureusement que Mario a pas eu des envies. Hein. Radis. Plus d'oseille. Plus d'oseille. C'est rien, c'est le côté obscur. On est en ville. On est en ville, on est en ville. Il y a des vendeurs. Pile au moment où je me disais que je n'aurais plus jamais de nouveaux clients. Bienvenue, merci de vous être arrêté à l'équipement de Gorulia. Et du coup, lui, il vend bah, tout ce qui est armure, en fait. Sauf que pour l'instant, j'ai la grosse flemmingite. Parce que je pars du principe qu'on va dropper des trucs. Et lui, logiquement, il vend les objets. Tous les types de champignons et surtout, il vend les cacahuètes. Les cacahuètes! Alors, on fait un point. Donc, on a les champignons, potions de vie. On a les réanimations. On a ça qui guérit les statues. On a la restauration de points de feu. Les cacahuètes, c'est génial comme truc. C'est vraiment l'objet qui restaure de la vie à tous tes brothers. Donc ça, il faut en avoir. Et le biscuit boue qui immunise temporairement l'utilisateur contre les attaques. C'est bon ça? Ça veut dire que t'es invulnérable pendant genre 2 minutes, c'est trop bien. Et ça là, ça faut pas l'oublier. Parce que ça c'est un raccourci. Ça, ça ramène au début de l'île. D'ailleurs c'est grand. Hein. C'est grand, c'est grand, c'est grand. C'est grand mais en même temps, il n'y a pas tant d'actions à faire que ça. Donc j'espère juste que dans la deuxième partie... Il y aura moyen de faire des trucs. Et boum! Plus d'oseille! Plus d'oseille! On fait tourner le business! Y'a pas un coffre là? Non? Un coffre, une caisse, un cube, un rond. Ça va changer de nom de toute façon. Mais du coup, ouais, il me faut le marteau, hein, bordel. Y'a ça là, et Luigi il peut rien faire avec ses grosses paluches. Les interrupteurs vous intriguent, avec le bon outil, ça devrait être possible de taper dessus. Mais du coup, il y a peut-être plusieurs outils, en fait. Parce que t'as des caisses, t'as des interrupteurs, t'as des rochers fissurés, et t'as les espèces de grosses pierres en diamant du tout début dans l'intro, là. Si ça se trouve, en fait, il n'y a pas qu'un outil, hein. Y a toute une caisse à outils, genre. Ok. Que passo? On arrive! Sauvetage! Non! Arrêtez! Laissez notre art tranquille. Hey, ça suffit. Éloignez-vous, ça risque de chauffer. Chef fait tout. C'est ment. D'accord, à vos ordres. Vilgrudin.
pouvez pas vous empêcher de semer la pagaille, hein? Nya nya nya. Détruire des œuvres d'art, vous avez pas honte? Les voyous de votre genre me courent sur le haricot, pour sûr! Nya nya nya. Elle a pas peur, hein? Je vais de ce pas! Vous chauffez les oreilles! Vous montez en l'air, petit sacripant! Oh yo! Oh yo! Ah, c'est le dos! Ah, c'est le dos! Ah, c'est la défaite! Ah, c'est le chaos technique! Oh, mon lamago! Fais des siennes! Tu parles d'une guigne! Oh! J'adore ce perso. En vrai, il est très cool, le perso de Maman fait tout. Hey, je vous interdis de m'ignorer quand je vous sermonne! Nya nya nya! Elle est mal. Ah oui, et vous croyez plus malin plusieurs, hein? Ma, pas de panique! La police de la moustache est là! La police du style! Après Zelda, chat, la police du style avec les frères moustache. En fait, Nintendo, c'est le charisme. Nintendo, c'est le flow depuis le début. Et parce qu'on est à flow, on a un bateau! J'en ai capté. Bouya! 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 Ok, où est-ce qu'on s'en fait? C'est vraiment pas dur, faut juste rester focus! Soy! Et boum! Focus time! Et boum! Les choses simples! Soy! Soy! Et soy! Parfait! Il est beau! Il est mauvais! Il est mauvais, j'appuie sur A. Et boum! Par contre, ce jeu me fait le même effet que le dernier Paper Mario Origami King. Hein. Nintendo a ce truc de vouloir un peu faciliter le game. Je sais pas comment expliquer, mais manette en main, ça se sent que c'est plus simple que les premiers jeux de la saga Mario Luigi. Enfin, en tout cas, je sais pas si c'est moi qui me rends compte de ça, ou si peut-être c'était déjà le cas avant, mais de souvenir, c'était un peu plus dur que ça, les interactions. La frame d'action était plus courte. Oh, fichu lumbago! Mais je vais pas me laisser abattre par un simple mal... Ah! On la monte en l'air. On la monte en l'air! Ça alors? Mais que? Oh, ma jeunesse! Elle a rougi. Elle a rougi. Et la boîte à outils? Bon, je reviendrai la chercher plus tard. Merci, Luigi. Un plaisir. Yahoo! Oh, c'est bien aimable. J'apprécie un peu d'aide. Ma maison se trouve pas très loin. Vous pouvez m'y emmener? Pour sûr, madame. On se retrouve là-bas. C'est le cochon pour sûr. Ouais, je sais pas, genre, ils ont ce petit truc de vouloir un peu faciliter... De faciliter tous les jeux chez Nintendo. Ce qui fait que, quelque part, on perd un peu en intérêt sur certains trucs. Je pense que c'est ça, d'ailleurs, que j'avais adoré dans Astro Bot. C'est que au début, Astro Bot, qui est vraiment cet amour pour PlayStation, combiné avec tout ce que la plateforme a fait de mieux, et en l'occurrence, bah, les Mario 3D, c'est le meilleur exemple pour le coup. Mais Astro Bot, au début, genre, ça donne l'impression que c'est un jeu assez simple. Et au final, ça devient quand même rapidement technique, et genre, c'est agréable en fait. Parce que t'as pas besoin d'attendre de terminer d'abord l'histoire pour entrer dans une espèce de deuxième phase, qui est réservée que à des joueurs avancés, tu vois. Genre, tu te mets vraiment à être challengé un peu. Après, attention, je parle, mais de souvenir, les Mario Luigi, c'est quand même assez technique, donc si ça se trouve, il va y avoir du fail. Ah, laissez la boîte à outils sur la table de bricolage. Merci beaucoup. Merci. Mais au fait, je ne me suis pas présenté, pas vrai? Je suis Maman Fait-Tout, ou Chef Fait-Tout, car je suis la chef de l'île. Et donc, vous venez de débarquer? Comment vous vous êtes retrouvé ici, au fait? Ah, spaghetti! Barcelone! La France versus l'Espagne. 3-0. Ben, à vue de groin, tout a commencé à peu près quand... Et donc là, on cherche le One Piece. Vous m'en direz tant? Moi qui me disais que Connexia resterait morcelée à jamais? Ho ho ho! Enfin, je me demande si vous allez vous en sortir. Le chemin qui mène au socle Gorulia est assez dangereux. Sans oublier les brutes de tout à l'heure. Dès comme ça, vous risquez d'en recroiser, pour sûr. Y a bien un phare au sommet du socle Gorulia, hein? Tout à fait. Vous trouverez un phare au sommet de ce socle branlant. Yahoo!
Le jeu est doux, bordel, il y a vraiment cette ambiance de vacances. Je vous ai ouvert le portail qui mène au socle Gorulia. Objectif le phare, chat. Objectif le phare. Avec sa grosse serrure. Et sa grosse clé qu'on voit à gauche, là. Et sa grosse prise électrique. N'empêche, on est déjà à 45 minutes, en fait. On se rend pas compte, mais ça avance de fou. J'ai un fils, j'ai fait ci, et une fille, j'ai fait ça. Les meilleurs persos. Ils ont tous les deux beaucoup de talent. Ils tiennent ça de leur maman, pour sûr. J'ai fait ci confectionne de superbes gants, et j'ai fait ça de magnifiques accessoires. Je les ai pas revus depuis... Eh bien, depuis le morcellement de Connexia. Regardez un peu le genre de choses qu'ils fabriquent. Pas mal, n'est-ce pas? Maha! Des gants de j'ai fait ci, un bracelet de j'ai fait ça. Pardon? Si je m'inquiète, évidemment. Je vous rappelle que je suis leur maman. Leur maman. Mais ils s'en débrouillent, ils s'en sortiront, j'en suis sûr. Moi, je dois protéger le village. J'espère qu'ils vont bien, c'est tout. Vous vous sentirez mieux en portant ce que je vous ai donné. Oh oh. Et maintenant, du vent, allez. Merci, spaghetti. Ok. On s'équipe, chat. Alors... Donc du coup, on a les armures ici, mais on n'a rien du tout pour foutre là-dedans. Par contre, on a des accessoires. Plus 1 en saut. Augmente l'attaque de 5%. Augmente de 15% les dégâts infligés. En vrai, j'ai des meilleurs réflexes avec Mario, donc on va prendre le bracelet. Et Luigi, plus de dégâts. Parce que grosse moustache implique plus de responsabilité. C'est de sa faute. Ah, il y a un cadeau. Putain, mais je veux l'outil qui brise les pierres fissurées, en fait. Et je commence à me dire qu'en fait, si ça se trouve, c'est Man qui va me les filer, les outils. D'une manière ou d'une autre. Et là, même chose. Des interrupteurs qu'on peut pas interrupter, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Terrible. Ok. Un dédale de pièces. Luigi time. Il a vraiment des idées de génie. C'est un génie. C'est parti. Let's go. Ah, mais attendez, mais je me demandais hier comment j'étais devenu riche en 2 secondes. Ah, mais c'est à cause de ça, en fait. Parce qu'en fait, les pièces, elles sont x2. Ah. Let's go. Happy pas cher. Pas cher, pas cher. T'en fais pas. Pas cher. Habit pas cher. Juste 3 en def. Donc on trouve une salopette, mon ref. Ma, c'est bon. La différence qu'il y a entre PlayStation et Nintendo, c'est que Nintendo cherche à faire des choses qui soient un peu intemporelles. Hein. Alors que PlayStation passe sa vie à faire des remastered. Alors attention, Nintendo en fait, hein. Mais je trouve que du Nintendo, ça vieillit quand même vachement mieux. En fait, c'est surtout que chez Nintendo, ils ressortent leurs meilleurs jeux parce que à l'époque, les consoles Nintendo n'étaient pas en HD. Ce qui veut dire que d'anciens titres aujourd'hui sur la Switch peuvent se permettre d'être en HD. Alors que chez PlayStation, c'est vraiment pour maxer la qualité d'un jeu. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais du coup, ouais, les objectifs sont pas du tout les mêmes en fait. D'ailleurs, je me demande si la Switch est la console, l'ultime console qui permettra la rejouabilité de tellement de jeux. Parce que déjà qu'elle a enterré la Wii U. Parce que techniquement, avec l'arrivée de Xenoblade X, il n'y a plus d'intérêt à avoir la Wii U. Vraiment, il n'y a plus de jeux sur la Wii U qui existent. Ok, système de balance. La Wii U, on peut l'enterrer. Mais c'est strat de leur part, hein. Il y avait des bons jeux sur la Wii U, mais c'est juste qu'il n'y avait pas le public en fait. Moustache time. Mais tu crois qu'on a le temps de jouer à la bascule? Spaghetti. Mais si Luigi se tient d'un côté,
ça pourra propulser Mario de l'autre. Et du coup, ce que j'avais pas compris à ce moment-là et que je comprends maintenant, voilà, reste là. C'est qu'en fait, vous voyez, donc là, j'ai une caisse qui se trouve à droite et j'ai une caisse qui se trouve là. Et en fait, je pensais que c'était forcément Mario qui devait décoller. Enfin, oui, pour pouvoir avancer parce que Luigi est pas autonome. Sauf que, il y a des cas un peu exceptionnels où tu peux faire ça. Et Luigi est pas couillon, en fait. Il voit qu'il y a une caisse, il va la chercher. Et là, on drop une kékéhuette. Du coup, maintenant, je sais, mais en fait, Luigi, il peut un peu se débrouiller tout seul, quand même. Ok. Là, à droite. Là. Est-ce qu'il va au bon endroit? Yes, parfait. Non, attends. Non, pas parfait du tout. Attends. Ah mince, comment on fait? Je me rappelle plus. Attends, arrête-toi. Arrête-toi. Oh, attendez, j'ai un trou. Comment je résous l'énigme? Attends, premier degré. Attends, je vous promets, j'ai pas galéré hier. Pourquoi je galère là-dessus? Oh, j'ai un trou. Ah mais non, mais pardon. En fait, je cherchais absolument à... Ok, je cherchais absolument à m'envoler. Non mais c'est bon en fait, y'a pas d'énigme. Waouh, j'étais dans la brume, dans le flou. Y'avait du brouillard. Oh mon cerveau. Oh, il s'est mis à piquer pour de la D. Attendez, parce qu'on va pas oublier ça, ce serait con. Yes. Champagne. Let's go. Et là, tu t'envoles. Ah bah bravo. Voilà, merci mon ref. Ok, porte de gauche. Il nous faut un deuxième caillou. Ah oui, il y a un peu plus de choses ici. Déjà, il y a cette statue. Il y a le changement de sens là. Attends, bouge pas. Tac. Voilà. Changement de sens. Un quart. Voilà. Parfait. Donc statue. Oh yeah. Parfait. Et on peut aller par là aussi. Salut toi. Booyah. Je te batte le cul. Par le front. D'ailleurs, je viens d'apprendre un truc aujourd'hui. Le saviez-vous? Quel est le point commun entre un cochon d'Inde et l'homme? Juste comme ça, par hasard. Est-ce que vous avez une petite idée, chat? Et moi, faut que j'arrête d'être mauvais. Ah, je suis un boulet. Ok. Je sais pas si on peut sauter sur leur œuf là. Je sais pas si c'est un œuf. Bou, bou, et bou. Le point commun entre l'homme et le cochon d'Inde. Alors, pour ceux qui l'avaient, bravo. Les cochons d'Inde peuvent avoir la calvasse. Voilà. J'adore cette anecdote. Je sais pas si elle est vraie, mais je l'ai trouvée tellement gaulerie que je l'accepte. Mon cœur reste fermé si c'est faux. Je veux que cette information soit vraie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux que cette information persiste. Je veux qu'on se dise que c'est possible. Il y a des trucs par là. Méchant! Ah non, je me suis fait botter. Allons-y. Bottage de cul. Et boum. En fait, objectif, pouvoir les tuer en un seul combo. C'est ça qui serait cool. Tu vois, j'avoue que devoir faire deux attaques pour un seul ennemi... Casse-pied. C'est des choses simples. Non. Et boum. Parfait. Et boum.
Allez, normalement, t'es mort. Bouh. Ya. Ya. Non, sérieux. Relourd. Faut mourir, monsieur. Je sais pas si on gagne plus de points si je vais au bout du combo. Let's go. Niveau 3. Parfait, c'est ça qu'on veut. Si on peut faire le niveau 3 avec Luigi, comme ça on sera tranquille pour la suite. Comme ça on sera tranquille, on sera tranquille. Alors, où en est-on ? Par là. Il y a R, par contre, par là. Par là, il y a R pour l'instant. Parce qu'il faut attendre de faire quelque chose avant. On a récupéré la grosse statue bleue là. C'est peut-être le temps de faire des dingueries. Luigi, prépare-toi. Je vais te monter en l'air. Imagine pas à quel point. Je suis en train de me dire qu'en fait, c'est ça la meilleure blague, putain. C'est pas l'accouchement de tout à l'heure. C'est long. C'est trop long. C'est beaucoup trop long. Ah, je me demandais où était passée ma statue. Oh yeah. Il est toujours pas là. Il est toujours pas là. On s'est replacé quand même. C'est Attends. C'est un... C'est pas un alunissage, c'est un luiginissage. C'est Luigi qui a atterri sur la planète de Luigi. C'est un luiginissage. Mon dieu. En fait, je sens que les meilleurs moments, ça va vraiment être ça. C'est vraiment Luigi qui fait des singeries. On t'aime, Luigi, bordel, on t'aime. Ok, on y est, chat. On y est. Le haut du phare. Allons-y. Oh, vous avez remis les offrandes à leur place? Merci! Le chemin jusqu'au site sacré du cercle Gorulia est ouvert. Oh! Simple, basique. Mais comment c'est loin? Ouah! Cette falaise est vraiment escarpée! J'arriverai pas là-haut, moi. Enfin, pas tout seul. Mais nous, on a le pouvoir du hack des rails. Les pirates de barbe noire. Oh! Imagine le méchant, c'est un pirate... Qui est une ref à barbe noire. Imagine, ce serait drôle un peu, non? Et genre, il nous attaque avec son bateau île. Parce qu'on sait toujours pas à quoi ressemble le méchant, d'ailleurs, au passage. Purée, c'est vrai, ça, on sait pas à quoi ressemble le méchant encore. Let's go! Luigi, mon ref, t'as intérêt à prendre ton niveau dans ce combat. On a la cacahuète, on n'oublie pas. C'est... Allez, Mario! Ah, Mario, quand il veut pas, hein. C'est... On va essayer d'en fragiliser un max. Et merde. Comme ça, du coup, s'il faut, après, j'ai plus qu'à les finir avec une esquive. C'est plus simple d'esquiver vers le bas, j'ai l'impression. Ouais, c'est la perception, en fait. Je vois mieux les attaques vers le bas. Qu'importe. Bouh. Ya. Ya. Parfait. La maîtrise. Et boum. Parfait. Je crois que j'ai failli utiliser le bouclier de Luigi. La vérité, à chaque fois ça passe à la microseconde. A chaque fois je bug sur la touche et je l'appuie sur B alors que j'allais appuyer sur A. Ok, nice. Ah, on prend pas de coups, on est bon. 28 de moustache! Mais... Putain, mais sa moustache, elle va devenir goldée avant qu'on trouve le One Piece. Hein. Wouah! Le vrai One Piece, c'est la moustache de Luigi! Ok, on y est, chat. Soy! 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 Maha! Simple. Basique.
voici la serrure. Du coup, vu qu'on sait que la clé est à gauche... Voilà. Ok. Nous y est. Mais ouais, je pense que pour l'exploration d'une île, c'est à peu près le même temps à chaque fois. Hein. Je pense que c'est entre une et deux heures grand max. Hein. Parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Hein. Je me demande, j'espère qu'il y aura des îles un peu secrètes, des niveaux un peu perdus et genre, faut les trouver, tu sais. Oui. Oula. Oula. Mamma mia. Catastrophe. 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 C'est la fuite. Sauve ton brother. J'avais pas vu Luigi laisser de nager. Victoire, 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 victoire. Au fait, est-ce qu'on a l'info? Parce qu'on l'avait pas hier. Combien de temps il dure le jeu? Et moi, je crois que j'étais parti sur un 20-30 heures. Ce qui me paraît pas déconnant, en fait. Est-ce qu'on a une confirmation aujourd'hui sur la durée de vie à peu près? Ah, la voilà! La prise d'harmonéon pour sûr! De quoi il parle? Vous vous rappelez ce qu'a dit Amperia sur l'Unicea et l'harmonéon? Pour sûr! Ouah, quelle mémoire! Enfin, tant mieux, ça m'évitera de devoir répéter. Ce sont ces prises qui distribuent l'harmonéon partout. Les prises connectent l'Unicea à tous les autres endroits de ce monde. Voilà pourquoi on doit brancher cette prise au navisme et restaurer le flux d'harmonéon. Pour agrandir la voie l'arbre, vous devez faire venir l'harmonéon de l'arbre du navisme jusqu'à Gorulia. Remouvez la couenne, Mario et Luigi. Branchez-moi cette prise. C'est trop stylé. Les cinématiques sont trop cool au fait. Hein. On n'en a pas parlé, mais la cinématique d'avant, la cinématique du début. En fait, tout dans ce jeu est frais. J'aime trop. Le gameplay, c'est... Ça fonctionne, c'est simple, ça fonctionne, c'est basique. Mais par contre, la DA, elle est trop chouette. En fait, ça me donne envie de voir un dessin animé avec cette DA. Poi poi. C'est tellement l'esprit shonen. Connexion! Victoire! Oula! Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Le Wi-Fi est installé! Et on peut maintenant aller à plus d'endroits, trop bien! C'est bon, il y a un mec qui a dépa... Quoi? Il y a un mec qui a disparu, non? Victoire! La DA est cool. La DA est vraiment cool. Vous avez raccordé Gorulia! Et ça ne fait que commencer, chat. Le plaisir. C'est beau. C'est si beau. C'est si doux. C'est si doux. Et du coup, ouais, ça nous aura pris, ouais, 45 minutes. 45 minutes. On est bon, chat. On est bon. Incroyable! Alors c'est comme ça qu'on raccorde une île, hein? Vous revoilà. Je vois que vous avez raccordé Gorulia au navisme. Beau travail, messieurs. Oh yeah. Ça alors, deux îles raccordées? Qui l'aurait cru? Et c'est le retour du tourisme. Il y a un arbre immense. Ça fait du bien de changer d'air. Est-ce que ces gens viennent de Gorulia? Et qu'est-ce qu'ils fabriquent avec ce tuyau? Peut-être qu'ils l'utilisent pour voyager d'une île à l'autre? Pour sûr. Vous avez trouvé une île dérivante et réussi à la raccorder au navisme. YouTube, c'est ta mission. Il faut savoir c'est quoi le jeu de mots entre navire et isme. Maintenant, il reste plus qu'à faire pareil avec tous les autres. Débarquez sur les îles, foncez vers les phares locaux et débranchez les prises d'harmonéon.
et j'espère que ça ne devient pas redondant avec le temps. Et éventuellement régler des soucis sur les îles en question. Mais vous êtes doué pour ça. Yeah. Si vous arrivez à relier toutes les îles entre elles, le monde retrouvera son unité. Ici les Quen, partons à la recherche des autres îles dérivantes. On devrait faire un tour à Gorulia pour voir ce que les gens là-bas en pensent. Alors, c'est sympa, mais pour l'avoir fait, pour l'instant, c'est pas fou dingue d'y aller parce qu'on est un peu limité. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on avance un peu dans l'histoire principale et qu'on voit plutôt ce qui se passe devant avant de revenir derrière. Quand vous raccordez des îles au navisme, il s'y produit de nombreux changements. Par exemple, les bourgeons d'Harmonéon peuvent éclore et donner accès à des lieux inédits. Où des habitants peuvent voyager d'île en île, et bien plus encore. Des Farfadei, nourris par l'Harmonéon, sont revenus sur les îles raccordées. Cherchez une île de Farfadei qui brille et essayez d'en attraper. Vous pouvez utiliser les tuyaux sur le navisme pour vous rendre sur les îles raccordées. Alors, parfois, y faire un tour, vous pourriez découvrir de nouvelles choses. Let's go! Est-ce que c'est... Oh! Vous tombez pied de poil, regardez ça! C'est un Farfadei. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Ces adorables créatures se nourrissent d'Harmonéon. Les Farfadets produisent du lumiel, une énergie stockée dans leur corps. On devrait en attraper un paquet. Ils pourraient peut-être nous servir, qui sait. Il faut quand même savoir que les Farfadets sont assez rapides. Mais vous, ça devrait pas vous poser de problème. Ayez recours au génie de Luigi s'il le faut. En gros, on peut les choper à deux. Si vous voulez trouver des Farfadets, essayez d'aller sur les îles raccordées. Les Farfadets sont certainement réapparus au moment du raccordement. Depuis qu'il y a la Wi-Fi. Ils ont besoin de réseau. En fait, c'est des putains de nerds, les Farfadets. C'est des jeunes avec des téléphones. Oh, je suis vieux. Je dis des jeunes avec des téléphones, à l'aide. Alors, poursuivez-les, essayez de les attraper, appuyez sur L pour que Luigi vous donne un coup de main. Les Farfadets que vous récolterez produisent une énergie appelée le lumiel qui vous sera utile plus tard. Parce que pour l'instant, on sait pas à quoi ça sert. Je garderai pour vous les Farfadets que vous collecterez. Un peu comme une réserve ailée. Mais ne me prenez pas pour une tirelire, hein. Ça n'a rien à voir. Groin à voir. Pour sûr. Je me demande si les Farfadets qu'on récupère pourraient nous servir. Plus tard. On pourrait peut-être les utiliser. Je vais garder ça dans un groin de ma tête. Pour sûr. Non, pas lui. Ça, là. Il est en fuite! Mais c'est une ampoule en fait, j'avais pas capté, excellent. Et on en a une. Ah! Que passo? Que passo? Est-ce que ce cri venait de la plage? Alors pour info, on va bientôt avoir atteint l'endroit où on s'était arrêté hier. Juste après ça en fait. Ouais, c'est vraiment bien fermé, comment on fait pour l'ouvrir? C'est Bowser, je suis sûr c'est Bowser. Il y a un truc enfermé dedans, je suis sûr c'est Bowser. Qu'est-ce qui se passe? Et d'où sort cette capsule? Oh! Non, c'est pas Bowser, c'est Bowser Junior, je suis sûr. Elle a dû s'échouer sur la plage. Faites-moi sortir! Il y a quelqu'un à l'intérieur? Il faut lui venir en aide. On a déjà essayé, mais impossible de l'ouvrir. Hey, Mario, Luigi, ça vous dirait de donner un coup de main? Bien sûr! Aide ce pauvre naufragé, Mario! Ah, pas terrible. Oh là, Luigi! On t'a pas demandé d'y mettre un coup de tête! Navisme, moitié navire, moitié île. Donc utilisez-le comme votre base d'opération pour voguer sur un vaste océan. Ouais, mais c'est pas vraiment... Je suis sûr que c'est pas de là qu'est tirée vraiment l'inspiration. Je suis sûr qu'il y a autre chose. Par Mériette, qu'est-ce que je viens de dire? Le bruit me fume. Si tu comprends tout ce qui se passe. Ça a pas l'air de marcher. Il nous manque peut-être le bon outil pour l'ouvrir. Ah, commencez pas à me parler d'outils. Hein. Déjà qu'on en a pas, ça me vénère. Vous pensez pouvoir l'ouvrir avec un marteau? El famoso marteau. Il y a toujours un marteau. Il y a toujours un marteau dans les Mario Luigi. Quelqu'un a besoin d'un marteau? Oh oh. Eh bien le bonjour, j'étais venu faire un tour par ici maintenant que c'est possible. Bonjour. C'est marrant. Ma parole, c'est sympa ici, dis donc. Dommage que mes enfants ne soient pas là pour en profiter. Ouais, je les ai pas revus depuis que le monde s'est déchiré. Oh, mais oui, c'est vrai. Tu nous avais donné de l'équipement.
Et tu avais dit que c'était tes marmots qui les fabriquaient, il me semble. Marmots, ça parle trop mal. Comment ils s'appellent déjà? J'ai fait ci et j'ai fait ça, c'est ça? D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait avoir un sondage pour la suite? S'il vous plaît. J'ai fait ci ou j'ai fait ça, s'il vous plaît. Oh, vous allez les retrouver pour moi? Sans blague. C'est bien gentil, ça. Bon, alors écoutez-moi. Il a trop la classe, j'ai fait ci, bordel. La dernière fois que j'ai vu j'ai fait ci, il partait chercher des matériaux à Fall Jungle. Ce gamin confectionne des gants inégalables. Quand j'ai fait ça, c'est à peu près au même moment qu'elle est partie voir la pousse Spiralia. Cette petite a toujours eu un don pour créer des accessoires très utiles. Mais les deux seraient tout à fait capables de vous fabriquer un marteau sans problème. Si vous les croisez, dites-leur qu'il me manque, et de se dépêcher de rentrer. Donc on pourrait trouver de l'aide soit à Fall Jungle, soit à Spiralia. Mais qu'est-ce qu'on... Comment on va trouver ces îles? Eh oh, par ici! Qu'est-ce que... Quoi? C'est un portulan! Il vous servira à localiser les îles! Une carte. La carte maritime! Ou le portulan. Pour moi, j'ai trouvé le navisme. Donc pour moi, c'est son nom. Ouais, je sais pas. En fait, ce que je voudrais trouver, c'est vraiment le mot exact de isme. Je suis désolé, ça me bloque. Encore une fois, hein. Amperia, ampère. J'ai pas d'autre idée, mais vous avez compris le concept. Mais dans l'idée, c'est ça. Hein. Je suis sûr qu'il y a un jeu de mots avec un mot spécifique qu'on n'a pas trouvé. C'est ici qu'on se trouve, le navisme. Exact. Enfin, on le voit pas très bien, mais... Les îles dérivantes sont entraînées par les courants marins. Pour les atteindre, il faut mettre le cap sur un nouveau courant. Par contre, là où je trouve que le jeu aurait pu vraiment faire mieux dans sa navigation, c'est en nous laissant la possibilité de le faire nous-mêmes. En fait, ce que je comprends pas, c'est que... Sur GameCube, Wind Waker, que je n'ai pas fait, qu'il faudra qu'on fasse un jour, vraiment, proposait déjà d'explorer la mer à sa guise. Pourquoi ? Là, on peut pas le faire. En 2024, soit deux générations après. Wind Waker, ça a quoi? Ça a 15 ans? Allez, c'est bon pour vous ou pas? Wind Waker a 21 ans. Pourquoi on pouvait le faire dans Wind Waker? Il y a 4 maps, 5 maps? Putain, c'est immense! Oh, la vache! Oh, celui-là, par exemple! Alors, pour le moment, choisissez n'importe quel courant sur lequel on peut naviguer. C'est super facile de passer d'un courant à un autre. Donc pourquoi dans Wind Waker, c'était possible d'avoir une navigation pseudo-libre? Et là, c'est pas possible. C'est dommage, non? Le navisme mettra le cap sur le courant que vous choisirez. N'hésitez pas à voter, chat! Parce que du coup, on va aller secourir un personnage en premier. J'ai fait ci ou j'ai fait ça. Et on a besoin que d'un des deux pour obtenir le marteau, c'est ce qu'on nous a dit. Donc du coup, est-ce que vous voulez d'abord qu'on aille faire j'ai fait ci ou j'ai fait ça? Ouais, plutôt j'ai fait ci. Hein. D'ailleurs, je crois qu'on avait déjà dit j'ai fait ci hier. On va faire j'ai fait ci, je pense. Lorsque vous approchez d'une île dérivante, utilisez l'archicanon pour vous y catapulter. On devrait facilement trouver des îles dérivantes grâce à notre portulan. Cherchons les îles où j'ai fait ci et j'ai fait ça se trouve. Mes petits n'ont pas pu aller bien loin. Vous les retrouverez certainement sans problème avec le navisme. Ah. Si vous avez besoin de retourner à Gorulia, ce tuyau vous y conduira. C'est comme ça que je suis arrivé ici, c'est plutôt pratique. Les gens du coup auront peut-être des renseignements sur j'ai fait ci ou j'ai fait ça. Ces gamins sont ma plus grande fierté. Sortez-moi d'ici, peu importe comment. Il fait si noir là-dedans. On s'en occupe. Vraiment, chat, je le dis et je le veux. Dans cet épisode, on va essayer d'avoir le marteau. J'espère qu'on va avoir le marteau, mais je veux le marteau. Parcourez les courants inexplorés avec le navisme pour opérer des îles dérivantes. J'espère qu'il y a des îles cachées. Chaque île a son lot d'ennemis à combattre et des gens à rencontrer afin de progresser dans l'aventure. Débranchez la prise d'harmonéon des phares et des îles dérivantes pour qu'elles se raccordent au navisme. Raccordez toutes les îles et ramenez Connexia à la normale. Et c'est ainsi que commence notre aventure. Et on voit en temps réel que le navire se déplace. Et pour l'instant, on peut ni briser des caisses, ni traverser dans des trous,
ni rien faire en fait, je suis nul. Ma vie c'est du pâté. Je suis la frustration. Et du coup faut faire attention parce que en gros le bateau se déplace. Mais ça veut dire aussi qu'il est possible de louper les îles. Donc faut vraiment rester à proximité de l'archicanon en fait. C'est par où d'ailleurs? Attends. Merci. C'est par là. Oui c'est ça. Là où il y a le canon. Ok. Est-ce que toutes les caisses... Non. J'allais dire est-ce que toutes les caisses repop. Île dérivante en vue. Deux îles même. Let's go. Alors. Pour pouvoir ouvrir cette capsule, faut qu'on retrouve J'ai fait ci ou J'ai fait ça. J'ai fait ci serait quelque part sur Fall Jungle, tandis que J'ai fait ça est allé à Spiralia. Les deux sont capables de fabriquer des marteaux, alors peu importe qui on trouve. On a dit quoi, chat, J'ai fait ci? Allez, Fall Jungle. Mais si vous voulez qu'ils fabriquent aussi leurs pièces phares, ce sera pas pareil. Vous pouvez demander plus d'infos à M'en fait tout si vous voulez. De toute façon, on aura les deux. C'est juste à savoir qui on fait en premier. Choisissons. Ils peuvent vous fabriquer différents types d'objets. Événements différents peuvent se produire selon la personne que vous allez chercher. Du coup, je suis très curieux. Ah! Attendez. Fall Jungle! Ok. Et logiquement... Spiralia. Nickel. Ça a pas l'air très grand, en vrai. Vas-y, go. Avant que ce soit trop tard. On y va! C'est parti! Power! Mais du coup, ouais, je me demande si des personnes jouent au jeu en parallèle, si vous avez choisi « J'ai fait ça », je suis curieux de savoir qu'est-ce qui se passe de différent en fait au moment de trouver le personnage et d'agir. Yahoo! Oh, il pleut! Je pense que j'ai fait ici, c'est la solution de base. J'en suis sûr, j'en suis sûr. Je suis sûr qu'une majorité de gens ont pris j'ai fait ici. Par contre, ce qui est cool, c'est que ça a l'air d'être plus une île à bagarre que j'ai fait ça. Fall Jungle! C'est parti, chat. L'île de l'action. Alors, du coup, en presque 200 balles, et je le dis, à partir de là, YouTube, c'est la découverte. Parce que j'avais pas encore été sur cette île. Ça marche, ça marche. Pour l'instant, vous en pensez quoi d'ailleurs? Le jeu vous plaît ou pas? Moi, j'aime bien. Eh, hey, regardez! Vous avez vu? Il y a un nid de farfadets ici. Ils vivent grâce à l'harmonéon. Il y en avait bien plus avant la grande séparation. En y allant chacun de votre côté, je parie que vous pourriez en rattraper plein. Ils avaient pas dit que pour en avoir, il fallait absolument connecter l'île? Ah, je pensais que c'était obligé en fait, moi. Let's go! Let's go. Ok. Alors, on est mauvais, tout va bien. Tu dis quoi, toi? Vous voulez connaître l'astuce pour porter les objets? Revenez me parler en portant quelque chose et je vous la donnerai. L'astuce en portant des... Ah! Un caméléon. Oh, je suis sûr que ce salaud, il va attaquer en étant invisible. Oh, mec, s'il attaque en étant invisible... En termes de feature, ça va être monstrueux, en fait. Le vite. Ah ok, je m'attendais pas à ça. Putain, bien joué. Power. Vas-y, finito. Pipo. Un cadeau. Yann Fall Jungle. Moustache time. Et du coup les cadeaux, on est d'accord, c'est en lien avec la moustache hein. Parce qu'on a la moustache goldée hein. Ah putain c'est ça, il attaque en étant invisible. Salaud. Ça va en vrai, c'est pas trop compliqué à capter. Bonsoir TikTok, comment ils vont? Attendez, qu'est-ce qu'il fait? Ok, il a un objet. Ah, attends, du coup il y avait une astuce, c'est quoi l'astuce? On t'écoute. Vous savez déjà comment porter un truc au-dessus de votre tête? Je parie que non. Vous voulez que je vous montre les bases et que je vous explique comment marcher avec? Attends, il est con lui ou comment ça se passe? L'astuce c'est d'appuyer sur X pour passer d'objet. Oh quoi? Attends. Oh ok. Hein, c'est pas mal ça.
Maintenant, l'autre peut monter les marches. Ensuite, vous vous repassez l'objet, puis montez les marches une à la fois. D'accord. Ok. Ah, effectivement, on peut pas sauter avec un objet. D'accord. Donc, en gros... Ah. Oui, ok, d'accord. Ça, je le savais pas. C'est pas la future de... C'est pas la future de fou non plus, mais... Toi, là. Voilà, t'es terrible. On essaye d'aller au bout de l'île, chat. Si on peut. Si on est assez bon. C'est parti. Soy. Parfait. Vas-y, ose. T'es mauvais. Par contre, en termes de rythme, les gna 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 étaient plus durs. Ok, nice. Au fait, est-ce qu'avec le bruit de la pluie, chat, le son est pas genre plus fort? Non, ça va. Let's go. Ça sert à quoi les lianes d'ailleurs? Attendez. Parce que c'est ma deuxième liane et j'ai aucune idée à quoi ça sert. Objet de combat, ça, fait voir. Cacahuète, liane. Alors, peut-être utiliser pour fabriquer des objets. Excellent. En fait, on a déjà toute la map du game. Hein. Ça a peut-être été sympa d'avoir une map progressive. Tu m'aides pas beaucoup, Luigi. Hein. Je suis obligé de faire ton taf. Un peu chiant. Vas-y. Go! Voilà, c'est mon rêve, ça. Ah, t'es bien de ce check. Banco, parfait. Alors, des farfadeil. Viens de là. L'autre. Vite. Bien joué. Un vendeur itinérant. Attends deux secondes. On va se faire de la tunasse vite fait, là. Bientôt 300 balles. Hein. Est-ce qu'on n'achèterait pas... Tant qu'à y être, une salopette pour Luigi. Parce que Mario, il a le minimum, mais Luigi, par contre, pas du tout. Quelque chose vous intéresse? Alors, regardons. Alors, les objets de base, d'accord. Équipement. Vas-y. Luigi, parfait. Et pour les bottes... Pour les bottes, j'ai un peu la flemme. Je suis pas convaincu que ça fasse beaucoup plus de dégâts et pour le coup... En fait, on verra plus tard parce que je suis convaincu qu'on va en trouver. Ok, plus 10. Parfait. À moins. Merci. Alors, qu'est-ce qui se tramouille ici? What the fuck? C'est un korogu? Et quelle surprise! Pourquoi avez-vous sorti Pépé Navé du bon terreau de Folgegueule? Pour que je vous dispense un peu de sagesse, eh bien vous pouvez compter sur Pépé. Ne craignez-vous pas de tomber malade en restant ici si longtemps sous la pluie? C'est drôle de dire attraper froid alors que c'est plutôt le froid qui nous rattrape. Tu parles longtemps, monsieur. En fait, c'est un peu comme voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Oh, il est casse-couille! La façon dont on pense à la maladie ou au fait qu'il manque dans... Quoi ? Ou au lait qui manque dans le frigo, ça change tout. Le pouvoir de notre cerveau est vraiment incroyable, n'est-ce pas ? En changeant son attitude, on peut passer de la tristesse à la satisfaction. Bon, Pépé Navé, arrête de radoter. Sauf pour ceux qui suivent. Vous êtes votre capitaine. C'est un peu étrange comme formulation, n'est-ce pas ? Pourtant, elle est juste. Que la mer soit calme ou agitée, à vous de décider comment naviguer. À moins que ce soit sur un lac ou même sur un fleuve. Désolé, je digresse. Chez Pépé Navé, les idées, ça va, ça vient. Une dernière chose. Quelle est la différence entre se souvenir et se rappeler? Eh bien, je vous le dirai quand ça me reviendra. Vous le saviez déjà, désolé.
sert à rien ce perso. Je voulais aller là depuis le début et je suis content d'y être allé. On a deux cacahuètes. Ça sert à rien ce perso. Je préfère Luigi est plus drôle. Hein. Vraiment Luigi est plus drôle. Il est sûr que c'est un navet et pas un radis. Drogué, bourré et moisi. Il y a moyen. Hein. Ok, banco. Je suis en train de me dire qu'en vrai, si j'achète les bots, je leur fais plus de dégâts à eux et je pourrais peut-être les finir. Parce que les gna gna gna, pas sûr. Mais les caméléons, là... Défi accompli. Oh, il y a des défis. Ah, trop bien. Je me demandais, parce qu'en vrai, ça pimente un peu le game, tu vois. Si vous remplissez des conditions imposées lors d'un combat, défi accompli s'affichera. Et vous obtiendrez une médaille. Consultez les médailles, les conditions des récompenses des défis en sélectionnant défi dans le menu inventaire. Ah mais on n'a pas le défi in-game en fait. Ah c'est dommage. Merde, putain. C'est quand il fait la gueule normalement qu'il tire la langue. J'ai pas le réflexe encore. On va regarder les défis après. Mboya, mboya et mboya. D'ailleurs peut-être que dans les défis il y a ce fail aussi. Hein. Putain je me suis trompé. Ah, le bouclier, c'est pas... Double raté. C'est pas ma tasse de thé. Mboya, mboya, mboya. Perfecto. Patronum. Level up ou rien, chat. Level up ou rien. On vise le niveau 5? On se dit c'est jouable? Ah, attendez, du coup, fais voir. C'est où les défis? Défi. Alors attends. Se débloque lorsque vous avez suffisamment progressé dans l'histoire. Ah! Attends. Commencez un combat avec un assaut déclenché 30 fois, encore 23. 1000 points de dégâts, terrassé 1000 ennemis en gros. Ah, du taf, hein. Emporter 100 combats à la suite sans subir de game over? En vrai, chat, on a le niveau pour faire ça. Hein. Oh, le navet doré. Attends, faut être à deux. Let's go. Oh, c'est le banger. Bien joué, Luigi. Ok, vas-y, on se tente les 100 combats sans game over. Faut juste faire attention parce que j'ai pas de save depuis le début. Et j'ai plus tant de vie que ça avec Luigi. Je crois que je vais acheter les bottes. Oh, vas-y, je vais acheter les bottes, ça m'énerve. Je vais être sûr de faire assez de dégâts. Bah, non! Oh, le mauvais! Le mauvais! Putain, elles attaquent pas au même moment. Terrible. Mais non! Attends, mais il y a son pote qui reste invisible, au fait, là. Pourquoi t'es invisible, toi? Bah alors, mon copain? Est-ce que tu penses que je ne te vois pas? Je suis mauvais! Mais pas à ce point! Par contre, 9 PV. Hein. On va se concentrer. Je crois qu'il allait attaquer deux fois. Vas-y, c'est fini. Et voilà. Ça le fait. Level up. D'ailleurs, c'est parfait. Est-ce que level up veut dire full vie? Plus de points de fur! Et de moustache. Objectif fur. Alors, full life? Non, pas full life, hein. Attends. Ah, j'ai vu le Saint Graal. La save était juste là. J'ai fait si. De dos. Il lui ressemble. Oh, le phare. Le phare. Et le raccourci. Hey boys. Hey toi là. Une route barrée. Certains abandonneraient. Mais j'ai fait si, ne baisse jamais les bras. Maha.
Je fais ce que je veux et rien ne m'arrête. 3 pas en avant, 3 pas en arrière, je ne connais pas le sens du mot échec. Cherchez-le dans le dictionnaire et vous trouverez une photo de moi, l'air étonné. Moi, j'ai fait ci, artisan et mérité, je vais toujours de l'avant. Nya ! Yahoo ! Lâchez-vous ! C'est la passion qui fait tout ! Mugissez ! Rugissez ! Faut toujours se surpasser ! Gonfler à bloc ! Oh, il a d'énergie à revendre, hein ? Non, il est marrant ! Franchement, moi je dis on a bien fait. Moi je dis c'était le perso à faire en premier. Deux types moustachus ? C'est louche ! Vraie réaction. Et donc spaghetti. Et là on a croisé ta mère. Vous voulez des marteaux? Pas de problème, je vais vous les fabriquer moi vos marteaux. Maintenant tout de suite? Oh oui. Je resterai sur cette île jusqu'à ce qu'elle se soit raccordée. Et je changerai pas d'avis, parole de Jeffessy. No problème. Oh au fait, je viens de voir passer un type avec une tête de champignon. Il se promenait par là-bas. Un Toad? Hey, on n'a pas vu de Toad encore, peut-être que les Toads sont là, hein. Et je crois qu'il essaie de me parler. Je suis plus trop certain de l'avoir vu, mais ce serait trop bien de le revoir. Attendez. D'abord. Non, je veux de la vie, soyez sympa. Donnez la vie à Kazma, s'il vous plaît. La vie pour Kazmario. J'ai mal. Il y a une plateforme pour Luigi. Ah! Attends. C'est moi qui botte des cubes à l'inverse. Et puis au pire, si t'arrives pas à faire les 100 combats sans game over, tu fais 100 squats. Non. On l'a fait une fois lors d'un certain ce bâton. C'était une bonne idée sur le moment. Les 3 jours d'après, ça a été horrible. Ah non, premier degré, hein. Je suis pas le plus confirmé en sport, je vous assure que sans squat d'affilée, je m'en rappelle encore. Ah, les courbatures. Me tenir debout me faisait mal, chat. Ah, la vache. Mais par contre, c'était tellement incroyable de faire un ce bâton. Je crois que j'arriverai jamais à vous proposer un truc comme ça. Quelle belle époque. Mais en vrai, je voudrais bien réorganiser des petits trucs. C'est juste que de toute façon, il faut que je rythme à nouveau la chaîne un peu. C'est vrai qu'on a pas mal ralenti ces derniers temps, donc c'est pas maintenant que je vais lancer des trucs comme ça. Et surtout, faut du temps. Et du temps, je n'en ai plus. Ça, c'est un autre problème. Niveau sup! Ok. Je me demande bien c'est quoi le niveau 8 avec la carapace verte, là. Peut-être que c'est une capacité spéciale, hein. Première capacité à 2 et ouais, y'a moyen. Hein. Alors, j'ai hâte d'avoir les supers. Comment on grimpe là-haut du coup? Non, fais voir. D'après la map, nous n'avons rien loupé pour l'instant, on dirait. Ça doit être après. Oula. Oh là là, ok. Ok. Personne veut me donner de life, en fait. J'avance, je perds de la vie et le jeu s'en fout. Oh ça va être compliqué. Oh je le sens pas lui. Ah c'est marrant, mais dans les vieux Mario Luigi, je me rappelais d'une feature qui disait que il y avait des ennemis, tu pouvais pas les atteindre avec le saut. Et du coup fallait obligatoirement utiliser le marteau. Genre en gros t'avais des genres de faiblesses élémentaires. T'avais des faiblesses d'action et t'étais obligé d'utiliser des actions spécifiques. Alors peut-être que ça va arriver plus tard. Putain, ils sont résistants, hein. Boum. Alors. Oh, il est horrible. Oh, il est horrible. Altération de statut. Certaines attaques peuvent provoquer une altération de statut pendant un certain temps. Vous souffrez d'un désavantage. Ah, merde. Ah ouais. Utilisez une herbe rafraîchissante pour soigner les altérations. Ah ouais, Gougou Gaga, c'est une altération. Ah, merde. J'ai 17 champignons. J'ai 17 champignons. Voilà, on finit au moins lui. Voilà, comme ça c'est fini. Parfait.
Ah mais je vais me soigner en manuel hein. Parce que j'attends que le jeu le fasse pour moi, mais ça sert à rien là, j'ai pas de vie hein. Bouya! Voilà! Par contre, je suis convaincu que le premier a pris beaucoup plus de dégâts que ça. Ok. Parfait, parfait. Ouais, c'est marrant. Pas de marteau. Enfin, pas de faiblesse de type. Étonnant. D'accord. Et ça? Attends. On recommence. Ça. Gloimp. Ok, il y a quoi au pont à gauche? Attends, avant de faire ça, Kazma, fais attention à tes fesses. Voilà, et là on est bien. Il y a quoi par là? De l'oseille, my brother. De l'oseille. Et je viens de capter que les radis avaient des petites prises. Des petites branches. Excellent. C'est RP jusque dans les légumes, hein. C'est marrant. Ça aurait été marrant que les arbres soient branchés au sol aussi. Alors du coup... Phare. Bien vu. Bouton. Attendez deux secondes. Y'a quoi par là? Encore? J'essuie tout nu. Et le jeu me demande d'avoir des vêtements que je n'ai pas. Alors qu'est-ce qui se passe? D'accord. Je crois que j'allais être timé. Des farfadets. Nya. Sandwich. Sandwich poilu de moustache. Oh d'ailleurs chat. Oh là 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 là, faut que je vous raconte. En parlant de moustache, la Miss m'a fait une surprise. Parce qu'en fait, en tant qu'homme, j'ai des besoins. D'accord. Des besoins de type me raser pour éviter de ressembler à... un homme d'une autre époque moins moderne que celle-ci. Et donc, moi, passé un certain âge, maintenant, je commence à kiffer certains trucs de la vie d'adulte, tu vois. Genre, j'adore toujours autant jouer aux jeux vidéo, mais avoir un rasoir, c'est stylé, tu vois. Parce que jusqu'à présent, moi, j'utilisais des vieux rasoirs manuels avec deux lames, là, qui coûtent que dalle. Parfois même, je le dis, hein, au rayon femme, parce que, mesdames, vous avez des rasoirs qui sont les mêmes que les hommes avec deux lames, mais qui coûtent moins cher, en plus gros lot. Et donc, j'avais pas de rasoir électrique. Et en fait, j'arrêtais pas de dire qu'un jour, je voudrais un One Blade. Parce que, en général, j'en vois partout et j'en avais déjà essayé. Et je trouvais ça plutôt bien. Et en fait, il y a eu une grosse promo, là, avant le Black Friday. Et la Miss m'a acheté le dernier One Blade. À genre... normalement, je crois qu'il coûte genre 140 balles. On l'a eu à 70. Avec des kits de lames rechargeables. Avec sa petite housse de transport pour les voyages. Et son petit socle de recharge. Et c'est trop cool en fait. Et le rasoir est trop stylé. Il a un espèce de petit voyant électronique pour savoir où il en est. Genre il a une autonomie de zinzin. Genre il est beau, il fonctionne. Enfin, je suis gaga de mon rasoir. Et je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais prendre soin de sa pilosité, en général, c'est bien. Voilà, et la moustache, c'est classe. Je sais plus pourquoi on parlait de ça à la base. Bref. Messieurs, si vous avez une moustache, vous êtes formidable. C'est ce qu'il faut retenir. Soy. La perspective. Ok. Let's go. Casmario. Mais où on va là? Y'a un bouton par là? En plus, Kazma, tu nous avais montré la boîte hier au début du stream. Alors, c'est pas possible que je vous l'ai montré hier. Parce que je l'ai reçu tout à l'heure. Peut-être qu'hier je vous ai montré une photo. Peut-être. Mais là, je l'ai reçu pour de vrai. Et du coup, j'ai pu l'essayer un petit peu avant le stream là. Et c'est vachement bien. Parce que, genre, en plus. Attention, hein! Ça a une technologie avec une tête à 360 degrés, ce qui permet des courbures parfaites, et donc un rasoir aux petits oignons. Mais en plus, avec son millimétrage de sécurité, vous ne pouvez pas vous couper. Et ça, c'est trop bien. Surtout avec les parties les plus intimes. Notamment, la quenouille.
notamment la quenouille. Et... J'adore cette film. Et non, c'est trop bien, genre. Oh, ce beau gosse, quel bel atterrissage. Non, genre... Voilà, je suis le premier à vouloir un aspirateur qui fasse aspiration et qui fasse lavage à eau, tu sais. Parce que c'est trop bien, en fait. Je suis le premier à vouloir un rasoir électronique parce que c'est classe. Je suis le premier à vouloir une machine à laver avec un gros tambour pour faire des machines de zinzin à turbo-réaction avec séchage et qui fasse voyage à machine à voyager dans le temps. Enfin bref, c'est trop cool en fait. La vie d'adulte, c'est un autre game et c'est cool. Genre, tu commences à te rendre compte de trucs qui sont cool. Par contre, ce qui est jamais cool, c'est les papiers. Ah mon dieu, ça reste la merde. La dernière fois, j'ai dû aller faire des papiers pour refaire mon passeport en mairie. Mon dieu, l'angoisse. Oh, je déteste ça, mais alors là, j'étais mal. J'étais si mal. Des gens en rouge et vert. Est-ce que ce serait... Oh. Ah, c'est Todd. J'étais pas sûr, mais c'est vraiment lui. Oh oui. On va pas lui faire cette voix. Je vais jamais tenir. Je reconnais Mario Luigi quand je les vois passer. Quel est cet endroit? Ça ne ressemble pas au royaume champignon. Du coup, faut qu'on retrouve les Todd éparpillés. Puisque vous êtes dans le coin, vous pourriez ramener les autres Todd par ici. Oh. Ah, effectivement. Ok. On arrive, les refs. On était partis à trois chercher des trucs dans la forêt quand on a été séparés. Luigi time. Et là, on fait comment? Oh oui, oh régale-moi s'il te plaît. Luigi, c'est tellement ton jeu mon ref. En fait c'est vraiment l'aventure de Luigi et Mario, hein. Pas Mario Luigi. Hein. C'est un jeu à inscrire dans la saga des jeux Luigi. Hein. Ok. Ah putain c'est moi. Oh, je t'aime mon frère. Oui. Mais c'est parfait, c'est génial. Oh, c'est un champion. Ouais. Mario, je suis si content de te voir. Tu as atterri dans cette forêt. Ouais, pareil pour nous les Todd. Hein? Tu veux dire qu'il y a plus important? Hey Mario, par ici. Vous me mettez un coup de pression, je sais pas de quel côté interagir, moi. Et qu'est-ce passe? Tu dois me lancer pour que Luigi me rattrape, Mario? Oh yeah. Il semblerait. Oh yeah. Prêt, brother? Let's go. Ok. Luigi! Oh, comme tu m'as manqué, toi aussi. Plus qu'un Todd perdu, Mario. Tu peux le ramener ici? Oh yeah. Bien sûr. On y va. Attends, ça c'est quoi? Oui. Ok, bon, il faut Luigi, quoi. Ah, mais je peux pas y aller tout seul, chiant. Alors, attends. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Toi, viens voir. Spaghetti! Carbonara! Est-ce que c'est Mario? Mais oui, mais c'est bien qu'est-ce Mario. Tu n'as pas idée d'à quel point je suis content de te voir. Est-ce que tu peux me ramener auprès de mes amis? On a été séparés. Merci beaucoup, qu'est-ce Mario. Je sais que je peux toujours compter sur toi. Enfin, un rêve qui se rappelle de mon vrai prénom. Maman. En fait, c'est pour ça que l'action de lancer fonctionne pas le reste du temps. Parce que c'est vraiment lancer entre les deux héros. Let's go. Finito pipo. Luigi, oh comme tu m'as manqué toi aussi. Du coup sur chaque île, résoudre les problèmes, plus trouver les Todd, plus les Farfadets, plus un boss potentiel, plus la connexion avec le phare. Ouh là là, ça commence à faire beaucoup. Il vous faut un truc à poser ici. Hey Mario, cherchons dans le coin pour trouver quelque chose qui ferait l'affaire. Oh là là, challenge accepted. Vas-y, fous ton cul là. Merci. Si on se pousse la caisse... Enfin, pardon, si on se jette la caisse, je ris. Euh...
Attends. Comment je suis censé faire pour mettre la caisse en haut, vu que je peux pas la lancer? Vas-y, explique-moi. Dis-moi les choses. Vous vouliez un truc à poser ici, hein? Hé, hey Mario! Cherchons dans le coin pour trouver quelque chose qui... Encore? C'est bon, mais je l'ai. Mais casse pas les couilles. Ah oui, d'accord. Est-ce que à lui, je peux lui passer? Mais il n'y a aucun intérêt à faire ça. Attends. J'ai une question. Est-ce que... Non, sérieux? Ok, d'accord. Ah, c'est juste que je pensais que c'était pas possible de faire ça. D'accord. La caisse, elle pèse une demi-tonne. Si on peut faire ça, on peut sauter avec. Mario, ramène aussi ce Toad-là, s'il te plaît. Banco. Allez, bouge tes fesses. Merci, my brother. Mario aussi le fait. Let's go. Aki de rei. Cacahuète. Cacahuète. Alors. Rejoignons le énième brother. Voilà, on a les trois. Mario, Luigi, vous avez réussi. Ça ferait une bonne session, n'empêche, pour un épisode 1. Alors, vous vous occupez de raccorder les îles, hein? Ça a pas l'air de tout repos. Comme toujours. Après, 50 ans de carrière, à peu près. Hein. Un phare? Si vous cherchez un grand bâtiment, je l'ai vu que de loin, mais je crois qu'il y en a un droit devant. Banco. Si vous arrivez à raccorder cette île, on ira sur le navisme. C'est ça. C'est le projet. Les boutons. Et là, on est juste trop fort. Sur cette île, il n'y a pas de carré de vie. C'est... Démerde-toi. Et ça, ça fait quoi? Ok. Ah, c'est ouvert ici. Hep, 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 hep. Bon, d'emblée, vous inspirez pas la confiance avec vos moustaches, là. Mais vous êtes potes avec des champignons qui marchent et qui parlent. Et ça, c'est cool, ouais, très cool. Vous avez réussi à ouvrir la grille, en plus, dont la CEO m'avait donné du fil à retordre. Alors, on va dire que vous êtes réglo. Je suis pas sûr que ce soit l'argument, mais... Ok, je vais utiliser ce que j'ai trouvé ici pour fabriquer un marteau du tonne. Oui, oui, le marteau. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à raccorder cette île. Oui? Non? Ah, pas maintenant? Oh, mais non! Le fail. Ah, oh, je vous jure, je pensais qu'il allait me filer le marteau maintenant. File-moi le marteau! Ok, raccourci, chat. Ah, ben on y est! Putain, on y est déjà? On a bien avancé, hein? On a bien avancé! Au bout du problème! En fait, si c'est si court, je suis en train de me demander si je vais pas me faire j'ai fait ça aussi dans cet épisode. Après, ça ferait peut-être beaucoup. Hein. Déjà, terminons cette île. Voyons ce qui se passe si on libère notre nouvel ami sur le navisme. Et ensuite, on en reparle. Blé ! Putain, mais alors ça, le coup de la langue, j'y arriverai pas. C'est... Et quoi? J'ai appuyé! Pas gentil! Pas gentil d'être méchant! Salaud que tu es! Les cadeaux! Ok, j'ai à peu près son rythme à lui. Lui, ça dépend. Bah! 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 Bouya! Champi one up! Vas-y toi, tu meurs. Mais je suis convaincu qu'une fois qu'on aura le marteau, on fera plus de dégâts. Hein. Pas sur tous les ennemis, mais au moins sur des ennemis en particulier. Vas-y.
Voilà, c'est ça que c'est bon. Parfait. Au suivant. Alors. Ok. Ah, ça drop les champignons. Casse-toi. Ok, toujours pas. Salopard. Je veux m'entraîner à essayer de les esquiver, eux. Parce que si on tombe sur un boss, mon gars, qui fait ce genre d'action, on va jamais s'en sortir. D'ailleurs, au passage, on n'est jamais retourné chercher les bottes, en fait. J'ai complètement oublié. Ah, j'ai juste zappé. Je voulais faire un retour arrière, je l'ai pas fait. Tant pis. Pas grave, on en trouvera d'autres. De toute façon, il y a encore l'île de j'ai fait ça, donc... Ah! Tout va bien. On va t'avoir. Joli. Joli. C'est parce que j'ai raté l'attaque ou... Putain, c'était cool. Comment j'ai fait ça? Je sais pas comment j'ai fait. Ah putain, presque. Ah, je l'ai, mais en même temps, je l'ai pas. Attends, je voudrais bien essayer. Vas-y, je fail. Ah non, c'est pas le fait. Bah alors, comment ça se fait que tout à l'heure j'ai fait un boulet de canon? Peut-être appuyer avec un rythme. Ah, c'est ça! Si t'appuies trop tôt! D'accord! Si t'appuies trop tôt, ça fait une autre action. Ça fait moins de dégâts, du coup, ça s'arrête là, mais ça fait une autre action. Ok. C'est bon à savoir. Ok, ok. Ça se trouve, bientôt on pourra multiplier jusqu'à x6. Le combo il va plus jamais s'arrêter. Ah! Nique toi, je t'avais pas vu! Salaud! C'est pas grave, on s'entraîne. A nous XP! Oui! On y va! Ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Bouya! On est focus. Si j'atterris sur les deux caméléons, ça fait deux coups. Ça fait deux morts. Même pas? Comment ça, non? Ah, oui, quand même. Attends, mais l'autre, il a vraiment un PV, en fait. Putain, il a vraiment un PV. Oh, c'est dur. Oh, le mental. Oh, le mental. En fait, je suis en train de me demander si, vu que depuis tout à l'heure, je fais des biens et des excellents, si ça se trouve, je fais pas mes perfect frames pour les QTE. De toute façon, on peut vraiment faire mieux. Vas-y. Putain, ça se trouve, il y a vraiment un perfect frame. Allez, il est mort. Voilà. Et pour toi, là, on se concentre. Ah, j'arrive pas à faire autre chose que bien. Hein. Je pense qu'il y a que bien, en fait. Ok. Let's go. Eh ben voilà, on est comme ça. Oh, le double level up. Oh, c'est ça que c'est bon. Oh, parfait. Évolution de la moustache. La moustache de Luigi qui va passer le niveau 30, là. On n'est pas prêt. Oh, mon Dieu, elle était déjà niveau 30. Mais quel homme, mais quel homme, mais quel homme. Joyeux Movember, au passage. Putain, c'est vrai que ce jeu sort pendant le Movember. C'est marrant, ça. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Messieurs, mesdames, est-ce que vous faites le Movember? Pour ceux qui savent. Soy! 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 Et voilà! C'était facile. Par contre, je m'attends vraiment à des boss à chaque fois et je sais pas pourquoi, mais le jeu pour l'instant est plutôt gentil. Hein. Peut-être qu'il y aura quelques boss majeurs, mais pas plus. Bon bah voilà. Tranquille, on a connecté l'île. Et du coup... Ho, ho!
Victoire! Retour à la casse-barre. C'est ça que c'est bon! Folle Jungle est connecté au Wi-Fi! Je dirais même à la fibre en fait. Ils sont fibrés! Parce qu'il y a le câble! Let's go! J'aurais bien envie d'aller faire l'île de J'ai fait ça. Est-ce qu'on fait J'ai fait ça? Voyons déjà comment tout ça se passe, chat. On me doit un marteau. Et je le veux, ce marteau. La jungle qui chope la fibre. Eh, ils ont la fibre en campagne maintenant. Quand j'étais petit, j'en rêvais. Là, mes parents qui sont en campagne, ils viennent d'être fibrés il y a quelques mois, parce que c'est moi qui ai fait la demande pour qu'ils le soient. Ça a pris vraiment 5 minutes sur mon appli pour faire le truc, parce qu'on est chez le même fournisseur. Et donc j'en ai profité. Mais vraiment, genre, t'as des mecs en ville aujourd'hui qui ont une connexion détestable et tout, alors que même en campagne, maintenant, ils ont la fibre. Vous revoilà, je suis ravi de voir que vous avez raccordé Fall Jungle. Oh, et du coup, il y a Gorouli à côté. Ah oui, donc on est vraiment en train de recréer le monde, en fait, sympa. T'as vu ça, Amperia? On a retrouvé Jeffessy, pour sûr. Il va nous fabriquer des marteaux. Génial. Avec ça, on pourra libérer le pauvre naufragé qui est enfermé dans la capsule. Qui est peut-être pas si pauvre que ça. Pif, paf, pouf. Maha. J'ai promis de venir vous aider, et je tiens toujours mes promesses. Parole de Jeffessy. Enchanté, on est bien content que tu sois là. Super, au boulot. Il vous faut des marteaux, alors vous aurez des marteaux. Et comme on l'avait dit, hein, on en est à 2 heures de rec chat, donc vraiment 1 heure pour faire une île, pour l'instant. Ah, voici le grand Jeffessy, celui qui relève tous les défis. Faut travailler, faut s'activer. Pour fabriquer un marteau, faut tout donner. C'est le moment, c'est l'instant. Ah, c'est violent. Hein? Tu vas un peu vite en besogne, non? Bah! Minute papillon, réfléchissons-y. Oh, le trauma dans les yeux de Mario. Moi j'ai mon tonton, il habite genre 10 mètres trop loin du cap pour avoir la fibre. C'est pas possible. Non, si c'est possible. Non, j'ai du mal à y croire parce que je sais qu'ils font des raccordements et tout spécial quand t'es un tout petit peu trop loin. 10 mètres, ça me paraît... Ça... Non, non. Je pense que à mon avis, si ton tonton peut vraiment pas être fibré là où il est, c'est qu'à mon avis, il est à plus que 10 mètres. Ça me paraît vraiment peu. Je pense que ça se compte plutôt en centaines de mètres. 10 mètres, non. Non, 10 mètres... Je pense que 10 mètres, tu fais ce qu'il faut. Non, c'est débile. Après, je sais que c'est sous terre, mais non, c'est 10 mètres. Ah, sur le papier, ces marteaux semblaient très bien. Ils sont énormes. En fait, ils dépassent même mes espérances les plus folles. Ils sont puissants et robustes. Ça va faire des mochis. Maintenant, filez et essayez. Oh, les marteaux. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content d'avoir les marteaux, mon dieu. Utilisez les marteaux, appuyez sur X pour Mario et Y pour Luigi pour que les frères en question utilisent leurs marteaux. Utilisez-les pour casser des caisses, des rochers ou actionner des gros interrupteurs. En frappant un ennemi avec un combat... Avant un combat, vous exécuterez un assaut déclencheur. Les marteaux sont aussi utiles contre les ennemis sur lesquels vous ne pouvez pas sauter. Voilà. Donc il y a toujours la feature. Sauf que j'ai pas encore croisé les ennemis en question. Mario, Luigi, le pauvre bonhomme de la plage a besoin de notre aide. On l'oublie pas. Enfin, le pauvre bonhomme... J'attends de voir. Utilisez le marteau avec X. Power. Power. Unlimited. Power. Et c'était pas du tout Bowser. Mais quelle idée de frapper comme ça. Je pensais que les secours seraient plus délicats, non mais oh. Est-ce que c'est un genre de navigateur? C'est Nami. Oh, le One Piece. Mais bon, tout ça c'est du passé maintenant. Où sommes-nous? Nous sommes sur le navisme. Comment? Tu as observé la mer quand tu as été attaqué? Exactement, c'était complètement fou même. Attendez, je ne me suis pas encore présenté, n'est-ce pas?
Je m'appelle Archibald. Incroyable. Ma passion, c'est de repérer les courants et les voies maritimes. C'est l'homme qu'il nous fallait. C'est la prise électrique de notre destin. Alors t'es expert en île dérivante, hein? Fouane Matelot, je suis en effet un expert dans mon domaine. Moi, c'est Couchombe, pour Sub. Ah, Fatiti, et Spaghetti. Je vous dois une pierre chandelle. Vous êtes donc Mario et Luigi, hein? Ravi de faire votre connaissance. Et ben moi, c'est Jeffessy. Je m'appelle Amperia, je suis volticultrice, enfin, presque. Ça alors, comme les gens qui s'occupent de l'Unicea, j'en avais jamais rencontré. C'est genre des moines. Ils restent toujours au cœur du monde. En parlant de volticulture, ça me rappelle quelque chose, mais quoi déjà? Ah oui, je me souviens, le grand phare. Il souffle un vent mauvais par là-bas. Quoi? Mais qu'est-ce qui cloche avec le grand phare? Le grand phare, c'est genre le grand phare de tous les phares? Oh mais j'y pense tout à coup. On vous a pas encore parlé des grands phares, n'est-ce pas? Ah, y a une différence entre phare et grand phare. Ok, donc y a genre les petites îles et les grandes îles, c'est ça? Et donc c'est peut-être les grandes îles le vrai problème en fait. Ah ouais, d'accord, oui, effectivement. Effectivement, on voit y a au moins 4 grands phares. Ah mais oui. Tout à l'heure, y avait plusieurs cartes maritimes. Ah c'est ça? En fait, on fait que des toutes petites îles minuscules depuis le début. Alors que genre, t'as des îles primordiales, en fait. Il existe 4 phares immenses. Ils distribuent l'harmonéon de l'Unicea aux 4 coins de Connexia. Le mode de vie de tous les habitants du continent en dépendait. Grâce à la lumière chaude, des grands phares Connexia prospéraient. C'est-à-dire proposer la connexion et la fibre à tout le monde. Tout à fait, madame. C'est pour ça que ce que j'ai vu au grand phare était si inquiétant. Quelqu'un s'en est emparé! Mais pourquoi? Qui pourrait faire une chose pareille? Le méchant! Ça, j'en sais rien! Mais ce dont je suis sûr, c'est que c'est pas des gentils! Encore pire, le grand phare était éteint! Quelque chose cloche! Où se trouve le grand phare? Eh bien, il se dresse désormais tout seul sur sa propre île! Je suis presque sûr que vous trouverez un grand phare là-bas! Ça, c'est un expert foie de Couchombe. Mais du coup, une fois que j'ai fait ci, j'ai fait ça et... Bah, et qu'on aura terminé la base, à quoi ça servira d'aller sur les petites îles? À part pour filer un coup de main. Si le but, c'est de prendre de l'XP, ok. Mais du coup, j'espère qu'il y aura de l'intérêt à aller sur les petites îles ici et là. Vous partez pour l'île du Grand Phare, c'est sacrément périlleux. Non problème. Et vous y allez quand même? Rien ne vous arrête, dites donc. Mario et Luigi ont promis de nous aider. On va ramener Connexia à son état normal, pour sûr. L'aventure du pour sûr. Ça m'inquiète de savoir que le grand phare est éteint. Sa lumière nous guidait tous. Si on arrive à rallumer le grand phare, alors je suis convaincu que sa lumière nous montrera le bon chemin. Mario et Luigi nous accompagnent. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner en plus? Allez, cap sur le grand phare. Let's go! Si on arrive à réparer Connexia, eh bah, tout devrait redevenir anormal, non? Ça se tente, j'ai déjà entendu des idées plus ridicules pour le coup. Hoi, hoi! Alors mettons les voiles et suivons ce plan. Mes connaissances de l'océan sont à votre disposition, matelot. Maha! Super, on pourra aller en discuter sur la place? Elle sait quelque chose. Quelqu'un s'est emparé d'un grand phare? On dirait bien que ça a quelque chose à voir avec le déchirement de Connexia. Ah oui, raisonnement un peu plus logique. Tout à fait. C'est Couchombe. Le vrai méchant depuis le début de cette histoire, chat, c'est Couchombe. Oh, attendez. Ouh! Oh, ça, quel plaisir. Oh oui. Oh, toutes ces caisses. Toutes ces caisses. Oui. Ah, on va se blinder, chat. Oh là là, par contre, je peux toujours pas passer dans les trous. Hein. Ça, c'est un autre problème. Bon, de toute façon, on va faire un point sur la place. J'ai toujours envie de jouer, mais en vrai, il est tard et l'épisode commence à durer un petit peu. Je pense qu'on va s'arrêter là. Une fois qu'on aura fait un point sur ce qui se passe. Alors, voyons voir. Votre attention, s'il vous plaît. Je suis Archibald, professeur en courant océanique. Enchanté. Tout d'abord, les bases. Les bases.
jeter un coup d'œil à ce schéma. J'ai essayé de le faire aussi précis que possible. En vrai, c'est pas mal. Waouh, super boulot! Pour ceux qui n'étaient pas au courant, sans mauvais jeu de mots, Connexia a éclaté. Je viens de comprendre. Le continent s'est morcelé en une multitude d'îles éparpillées de par les mers. C'est bien parce qu'en vrai, il est... Enfin bref, il est drôle. Il est drôle et il le sait. Ce que vous saviez peut-être pas, c'est que chaque île dérivante suit son propre courant. Courant électrique, tout ça. Grâce au navisme, nous pouvons emprunter ces courants pour raccorder toutes les îles. C'est exact. D'ailleurs, on a même eu assez de chance pour en raccorder certains au navisme. On s'est laissé porter par un courant pour rejoindre Fall Jungle, non? Je crois que c'était ça. Hoi hoi, ça a déjà marché une fois et ça marchera encore, faites-moi confiance. C'est le moment de consulter le portulant. Alors, pardon. Pour mettre le cap sur la prochaine île, vous devez sélectionner un autre courant. Si je me souviens bien, on part pour Spiralia, là où se trouve j'ai fait ça. Ah oui, donc c'est l'objectif avant d'avancer, très bien. Voilà le courant qui fait dériver Spiralia, rejoignons-le. Alors là, ici les voiles. Ils sont malins parce que genre ils disent pas on avance et on oublie la sœur. Non, on va chercher la Russ et ensuite on avance. Attendez d'être à proximité de l'île. Et faites feu avec l'archi-canon. Oi, oi. Carbonara. On a plus rien à faire pour le moment, c'est pas la peine de rester lézardé ici. Pendant que nous naviguons sur les courants, allez donc revisiter les îles déjà raccordées. Grâce à l'harmonéon qui parvient à présent, certaines choses pourraient avoir changé. Tout à fait. Mais en fait, le truc, c'est que l'archi-canon, il est que sur les autres îles. Donc pour l'instant... Enfin, pardon, l'archi-canon, il est que sur le navisme. Donc si je vais sur une autre île, bah, pour l'instant, je peux pas aller sur les nouvelles, en fait. Par contre, si plus tard, on a beaucoup de voyages à faire, genre de tout en haut de la map à tout en bas, là, ça peut être intéressant, effectivement, d'aller se promener un petit peu. Y a pas que ça à faire pendant le voyage. Ça ferait pas mal d'acheter de l'équipement ou de monter de niveau. Tout à fait. En fait, je pense que ça va devenir intéressant avec le temps. Moi, je serai par ici, en train d'étudier l'océan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire signe. Il est plein de ressources, celui-là. Heureusement qu'on est tombé sur lui. Let's go. Hoi hoi, monsieur. Alors, se préparer. Pendant que le navisme se dirige vers une île dérivante, vous pouvez vous préparer pour la suite des événements. Ça ne fait pas de mal de retourner explorer les recoins des îles raccordées. Vous pouvez combattre pour monter de niveau ou récolter des matériaux pour fabriquer de l'équipement. La base. La base. Et du coup, ça fait un peu de roude là pour rejoindre Spiralia. Ah, attends, est-ce que... Oh oui. Oh oui. Oh, c'est agréable. Oh, je revis. Et du coup, je peux passer par là maintenant. Là là, terrible, j'ai plus à faire le grand tour. On a tout vu, je crois, pour l'instant. Le navisme n'est pas très grand hein, tant qu'on n'a pas obtenu certains trucs, j'imagine. On est d'accord que là, Spiralia est trop loin, il est pas accessible. Ah putain, on vient de passer devant. Oh! Ah, tu te fous de moi. Ah, tu te fous de moi. Il y a 2 secondes, je l'avais. Oh, ça, c'est dur. En fait, s'il y avait un archi-canon sur toutes les îles, on pourrait se permettre d'aller se promener et de se téléporter au bon moment, mais du coup, on est obligé de rester dans la zone. Donc le temps que le navisme fasse le demi-tour, chat, on va péter 2-3 caisses. Oui, non, pardon, j'ai dit qu'on s'arrêtait là. Ah, mais j'ai envie de jouer quand même. Spiralia est en vue. Ah, terrible. On se fait un petit extra. Ah, après, ça fait beaucoup quand même. Allez, on se fait un extra. Non, mais en vrai, comme ça, au moins, on aura une grosse base. On aura fait la main, on aura fait j'ai fait ci, on aura j'ai fait ça. En plus, maintenant, on a les marteaux. Donc, les choses devraient vraiment s'accélérer. Vas-y, go. De toute façon, je suis déter, j'ai envie de jouer. C'est parti. Alors, par contre, est-ce que je suis un débile? Spiralia, let's go. Power! Allez, chat. On sait que ça va nous prendre à peu près 45 minutes. Ouais, 45 minutes. Des bisous à ceux qui nous abandonnent. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On est parti, messieurs, dames. Pour la 3e et dernière île pour aujourd'hui. Un épisode riche. Et au moins comme ça, on se lance pour de bon. Dans l'aventure. Et j'ai l'impression que cette île est plus petite. Oh putain. Oh.
Tu me régales, mon Luigi. Luigi, à lui tout seul, il crée ce jeu... Enfin, genre, ce jeu est un banger juste pour lui. Spiralia, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette île encore? Oh, il y a des mamochons. Il y a des cochons énervés. Attends, mais il y a des features spéciales ici, là. Il y a plein de choses que j'avais pas vues avant. Alors... Ah, là. Banco, let's go. Ok, on a des cacahuètes. On avance. L'espoir de retrouver notre foyer s'est envolé. Le reverra-t-on jamais? Qui de nous le sait? Orage, oh désespoir. Nous le désirons. Tel que par le passé, mais le rêve s'étiole. Il s'est envolé. Elle fait des poèmes. J'ai ressenti en moi votre âme s'exprimer avec émoi. Mais le lien est rompu. Deux âmes, un foyer disparu. Signé, j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'elle fabrique tout là-haut? Oh! Ah mais du coup le phare il est là, il est juste là. Mes verres vous font vibrer? Oui je le sens, c'est un fait. Oublions les vibrations un instant. Je déduis à ta tenue que tu es de la famille de Man. D'où connais-tu le nom de la mère, curieux cochon? Tu n'es pas ordinaire toi. Mais attends, mais elle est directe au phare en fait. Je suis pas un cochon! Mais bon, passons, pour sûr. Attends, je peux direct y aller? Attendez, mais sur cette île, c'est pas le même game en fait. C'est la fille de Man alors. Raccordons cette île pour qu'elle puisse être réunie avec Man. Bah, let's go. Et du coup, ça va me prendre pas longtemps, j'imagine. Elle devait être en hauteur quand l'arbre s'est rabougri. Ah, il y a un phare là-haut, on dirait. Faut qu'on dérabougrisse l'arbre si on veut pouvoir raccorder l'île. Let's go. Comment on fait ça? Dérabougrissons l'arbre. Seul au monde, nulle part où aller. Je n'ai d'autre choix que de m'ennuyer. Terrible. Elle nous lâche ses plus beaux vers. Hein. Elle fait un rap. C'est le rap du feutre. Dispersion! Là! Ok, on les a. Bien joué. Alors attendez. On va attendre d'avoir un petit peu de matos, chat, parce que vraiment retourner en arrière sur les îles déjà vues en sachant qu'on n'avait pas encore grand chose, c'était pas très utile. Maintenant qu'on a le marteau déjà, il y a de l'intérêt à vraiment revenir en arrière. D'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est qu'au tout début, avant de récupérer Luigi, on avait cette zone où il y avait des choses à briser et on n'avait pas encore le marteau. Donc je me demande si on va pouvoir y retourner, je sais pas où est cette île. L'île du tout début avant le navire. Bon, on s'en va. Ouais, ça craint ici, partons. Est-ce que c'est un groupe? Eh non, restez! On dirait Elvis. Bah ouais, mais quoi, tous les fans sont déjà partis, vous feriez bien d'en faire de même. Trémoussim, Electrox, c'est fini là, il faut arrêter, le spectacle est terminé. Mais les gens n'ont pas encore pu voir ce pourquoi elles sont venues. Ma danse spéciale. Si seulement j'avais ma gomina. Oh, ce serait plus rock'n'roll. C'est Elvis, c'est tellement Elvis. Allons, Trémoussim, Electrox, il faut partir. Mais non, Electrol, ma danse peut transporter les foules. Ah malheur, il faut qu'on trouve de la gomina rapidement. Enfin, avant ici c'était ultra branché, mais là c'est plat de chez plat. Par contre pour les jeux de mots, ils s'éclatent. Hein. On se retrouvait tous sur place, les cheveux coiffés à la gomina. Et on dansait du matin au soir. Ouh, ah. Johnny Bravo. Est-ce que la gomina ça aiderait à faire bander l'arbre? Et depuis que la pousse spiralia se flétrit, on n'a plus de motivation pour danser. Il faut qu'on fibre la zone! Quant à ce Trémoussim, quelle déception! Nous qui avions cru qu'il allait électriser les foules et raviser la pousse spiralia. Ah, c'est lui! C'est lui qu'il faut déterre pour que la plante a... Oh là, d'accord. Moi, sans ma gomina, je n'ai plus le rythme dans la peau. Ouha. Il y a peut-être jamais eu d'arbre alimenté par la danse, c'était juste des bobards. T'as sûrement raison. Bon, on peut rentrer chez nous maintenant. Cassos. Où c'est qu'on va lui trouver de la gomina? Où c'est qu'on va trouver de la gomina, chat? Un arbre alimenté par la danse? Il est temps que ce Trémoussim entre dans la danse! Tenez bon, Trémoussim! C'est son agent. Electrol, donc. Vous là, un instant! Ma? Désolé d'être aussi cavalier, je suis bien conscient qu'on ne se connaît pas, mais... Avec une fière moustache comme la vôtre, vous avez forcément de la gomina, non? Dit comme ça, ça aurait pu être vrai.
Vous auriez l'obligeance de me céder un peu de cette gomina. Non, désolé. Ça t'arrive souvent d'alpaguer des inconnus pour te faire offrir des trucs? Non mais... Je suis vraiment désolé, mais c'est un cas de force majeure là. Mais vous devez utiliser du gel à moustache, et non de la gomina. Excusez ma sottise. No problème. Voyez-vous, la chevelure de Trémoussim s'est effondrée juste avant le spectacle. Oh, désespoir. Et sans coiffure parfaitement gominée, pas de Trémoussim et pas de spectacle. J'avais espéré obtenir de la gomina dans la boutique de cette dame qui en vend. Mais le chemin pour s'y rendre est truffé de monstres. Que faire? Misère de malheur. C'est beau. Misère de malheur. Des verres, toujours des verres. Ok. Donc bagarre, puis gomina. Attendez, deux secondes. Tu vends quoi, toi? Oh, il a une moustache aussi, lui. Putain, mais ce pays de la moustache. Ce pays de la moustache. Par contre, pour l'instant, on n'a pas besoin de s'équiper, c'est cool. Hein. Cela dit, si on trouve un magasin qui vend des bottas, peut-être. C'est quoi, ça? Le grand conducteur dans les méandres de l'histoire. Bon, on dirait un visage avec une moustache. On dit qu'on peut distinguer le portrait du grand conducteur dans ce rocher. Il est surprenant de concevoir qu'un être puisse modeler et ployer de la roche. Ce qui est tout aussi surprenant, c'est l'esthétique douteuse et la réalisation bâclée. Oh bah quand même. Et ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord, je viens de capter. Ok. On commence. Attendez. Tu vas voir. Tu vas voir. On y est, chat. On y est. Restez concentrés. Et voilà. Magnifique. Let's go. Une cacahuète. Oh. Médaillon de bronze. C'est ça que c'est bon. Ok. Ah, oh, c'est marrant. Du coup, il y a des mini-jeux à trouver et ça donne des trucs. Score actuel 10. Défi sans fin. Atteignez le quota et vous pourrez continuer jusqu'à ce que vous perdiez. Plus votre score serait élevé, meilleurs seront les récompenses. Essayez d'atteindre les 100. Alors, peut-être pas maintenant, mais peut-être une prochaine fois. Oh, bonjour. Bienvenue. Alors, attendez. Oh, il y a tellement de matos. Botte au rabais, botte passable. Ah non, vous foutez de moi. Donc là, en fait, on me conçoit un marteau. Et là, maintenant, je peux acheter des marteaux, tu te fous de moi? Ah non. Je crois que ça améliore juste la stat du marteau en vrai. C'est pas des nouveaux marteaux. Qu'est-ce qu'on achète, chat? J'ai pas des tonnes de tunas en fait. Ah, j'avais pas prévu d'être pauvre maintenant. Vas-y, je vais prendre les bottes. Voilà. Là, j'ai vraiment pris les bottes de base, histoire de dire on n'est pas à poil, c'est. Oh, venez vite, au plaisir. Ok. Bonsoir. Il nous faut de la gomina. On va trouver de la gomina. C'est rigolo. Vraiment le marteau chat. Ça change la game. C'est par là? Bonjour, je suis un guide local. Je connais cette île mieux que ma propre poche. Voulez-vous faire une visite guidée de Spiralia? Non, c'est rien. C'est rien. Oh, vraiment? Bon, une autre fois peut-être. Du coup, c'est par là. Hein. Ça va? Non. Tac. Ouais, ça a l'air d'être ça, ouais. Ça a pas l'air bien compliqué, ça va le faire. Ah, le salaud. Ok, chat, premier combat avec le marteau. Petite feature. On y va. Décotion. Essayez de frapper un bon coup dessus avec vos marteaux. Alors, sélectionnez l'ennemi avec l'attaque du marteau. Si les deux frères sont présents et actifs, vous pourrez effectuer un combo. Oh là 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 là, ça a l'air magnifique. Appuyez sur le bouton quand le marteau a pris assez de recul pour réussir l'attaque et infliger plus de dégâts. Utilisez l'attaque au marteau. On y va! Chat! C'est parti! Power! C'est bon ça? J'ai d'être ça, j'ai même pas fait attention! Oh! Ah putain, oui. Oh, il est bon. Oh, j'aime bien. Ok, il y a des ennemis, mon gars. Vas-y, c'est l'inverse. Soy. Ah non! Ah, je me suis fait. Ok, pardon, c'est quand ça brille. On se concentre. Soy. Oh. Eh, c'est la facilité, hein. Pour faire des coups puissants, on empêche.
C'est bon, ça. Et du coup, il y a des ennemis à qui ça va faire plus de dégâts, et d'autres qui seront pas infectés, et inversement pour les sauts, en fait. Par contre, moi, ce que je voudrais savoir, c'est quoi la grille au-dessus, là, que je voyais déjà en arrivant. Aspiralia. Il y a un mec qui est enfermé. C'est Riley. On y va. Le One Piece, chat. Le One Piece. Ce Power. Oula. J'ai pas fait exprès. Oh, oh là 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 là. Oh là là, les ennemis de la fourberie. Terrible. Zui. Blé. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Oh, les coups au marteau, je suis fan. Ah, tu te calmes, Michel. Tu te calmes. C'est... Et voilà, tu te chutes. Je vous rappelle que nous jouons pour essayer de faire 100 combats d'affilée sans mourir. Ce qui est faisable, largement faisable. Et on va le faire, chat. On va le faire, on est déter, on va le faire. Je sais pas, on en a combien. Mais on en veut. Et d'ailleurs, ça va. En termes de vie. Ah non, mais. Putain, je regardais autre chose. En fait, j'avais les actions au marteau et je pensais que je pouvais faire un truc spécial que je pouvais pas faire avant. Ce qui est un peu vrai, hein, mais c'est pas ce que je voulais dire. Bleu. Du coup, ça veut dire que c'est aussi vachement plus simple de leur mettre des coups. Ah, et c'est facile de s'en prendre aussi. C'est dur, c'est dur. On reste focus. Blé, blé et blé. Tu la fermes. Parfait. Ouah. Nickel. Ok. Il va où? Il va où? Eh hey. Eh hey. Quoi? Pourquoi il y a une maman cosson? Pourquoi il y a une maman cosson là? Pourquoi il y a une maman cosson? Excusez-moi, pourquoi c'est vachement plus dur que sur l'île de tout à l'heure? Ah mais attends, mais en termes de difficulté, ça n'a rien à voir, hein. Oh, c'est bon ça. Ok, il en reste qu'un. Vas-y. Vas-y, tu la fermes. C'est les mêmes actions, il est juste plus gros. C'est les mêmes actions, il est juste plus gros. Soy. Soy. Tu la boucles. Deuxième coup. Ah putain, on va pas l'avoir. Bouh. Encore un coup. Encore un coup. Et il est fini. On est focus, on est focus, on est focus. Allez, finito. Pipo. Est-ce que c'est un boss? Non, c'est juste un ennemi spé. Hein. Et avec tout ce qu'on a tué, on n'a pas plus XP que ça? Ah bah super. Par contre, depuis qu'on a quitté l'île de base, là, on n'a plus du tout de cube pour regagner de la vie. Hein. Ouf, faut faire attention, chat. Par contre, le jeu il m'agresse. Le jeu il m'agresse, il y en a partout maintenant. Lâchez-moi en fait. Tiens, voilà. Est-ce que c'est le genre d'ennemi où tu vas voir il est trop haut et je peux pas l'attaquer? Ah, je suis sûr c'est ça. Non, ça a l'air d'aller en fait. J'y vais. Il s'est passé quoi? C'est juste barré en fait. Et. Allez, tu la fermes. Allez, on termine. Voilà, ça y est, je commence à être un peu dedans. Herbe rafraîchissante. Let's go. On va vous avouer. Je pense que ça va pas marcher. Oh, je m'en doutais. Je m'en doutais, je voulais être sûr. C'est ça, donc effectivement, il y a des ennemis qui sont pas affectés par rapport à leur style. Très bien, ok. Mais c'est marrant, ils attaquent pas. Pourquoi? Ou alors ils arrivent pas à attaquer. Ah mais non! Parce que justement ils partent du principe que si j'esquive. Merde. Que si j'esquive, je me le bouffe en fait. Mmh. Et donc maintenant faut pas esquiver. Donc on rappelle, certains ennemis prennent les sauts, d'autres pas. Certains prennent les marteaux, d'autres pas.
il faut les contrer ou les esquiver, et certains, pas du tout. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Tout va bien. Un cosson. Un cosson. Esquivons le cosson. En plus, on est bientôt niveau sup. Marteau quoi? Marteau passable? Attends, ma fille. Attends. Ma fille. Pardon, poussez-toi, ma fille. Merci. Des bisous à ceux qui nous laissent. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Oh, plus 8. Oh, la régalade. Y'a rien, là? Si, y'a toujours un truc. On l'a dit, en plus, on l'a dit. Faut juste y penser. Alors, eux, par contre, à Veski, c'est un enfer. Ah, ma fille, t'es douce. T'es douce, mais tu m'embêtes. Ok. Non! J'ai un chat qui m'embête. Hop, pardon, ma fille. Hop, en voilà. Ok. Soy! Soy! Oh ouais. Je sais pas si on fait plus de dégâts qu'avec des coups sautés quand même. J'ai un doute. J'ai un gros doute. Les deux sont énervés. Je comprends que quand ils arrêtent de faire du bruit, c'est qu'ils vont foncer. Mais alors par contre... Oh, salaud. Je pensais qu'il fallait pas sauter. Ça devient technique, ça devient vraiment technique. Ok. Oh là 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 là. Ok. Let's go, le retour. Parfait. Je l'ai eu. Putain, bien joué. Ils sont pas faciles ces trucs, hein. Parfait. On en veut. On en veut. Parfait. Et on l'a. Feuille de spiralia. Des trucs à craft. On a des lianes, on a des feuilles. Je sais pas à quoi ça va servir, chat. J'ai hâte qu'on le sache. On va obtenir un mixeur. On va faire des smoothies. Ta Zelda. Attends, on peut aller à gauche, là? Là. Ah, oui, non. D'accord. Ok, donc, la Gomina. Elle joue, cette île. Oula. Iiii, des bestioles. Ok. Qu'est passé? Oh, elle est affreuse. Non, non, non et non. C'est des serpents qui sont énervés. Je vous interdis. Oh, ne m'approchez pas. Ça se fout, ils sont juste gentils et elle en a peur. Oh, ils sont partis, je respire. J'ai eu une telle frayeur que je me suis forcé de me réfugier en terre. Hmm? Tout cela pour me retrouver confronté à de grosses bestioles rouges et vertes. Ça parle mal. C'est tout bonnement effroyable. Je vous interdis. Oh, de m'approcher. Comment te dire? Est-ce qu'on va arriver derrière elle? On va arriver derrière elle, c'est ça? Ah, c'est ça, c'est sûr, c'est ça. Mais du coup, on fait tout le tour en fait. Ok. Alors juste, il y a quoi par là? Eh, l'air de rien, tu regardes pas la map, c'est pas dur de louper des trucs. Eh, mais c'est ça, ça fait pas de mal. C'est juste trop mignon. Il y a un truc qui brille là, non? Non? Non, j'arrivais. Non, c'est trop mignon comme serpent. C'est pas des serpents d'ailleurs, c'est plus des vers de terre. Attends, mais je vais où là? Ah, mais il y a tout un game par là, attends. Des radis. Ok. Et là, on revient au tout début, non? Eh, même pas, hein. Même pas. Let's go. Mais là, triple nouille. Merci. Oh, le plaisir d'enfin pouvoir les briser toutes. Amuse-toi, Luigi. Amuse-toi. C'est son magasin. C'est là. C'est elle. C'est sûr, c'est elle. Enfin,
fun day. Et boum. Ok, mais du coup, faut déjà aller l'aider. C'est quoi ça? Site d'une future attraction touristique. D'accord. Eh ben, on repassera du coup. On n'y est pas encore. Ça va, ça se passe, hein. En fait, les îles comme ça, c'est vite fait, hein. Et du coup, je me demande vraiment si les grosses îles avec les gros phares, c'est plus long ou juste plus dur parce que... Ah, parce que, en fait. Attendez, petite save. On sécure, chat, on sécure. 2h25. On est bien, là. On fera moins long pour le prochain épisode, hein. Prochain épisode, on essaiera de faire plus 1h30, 2h, quelque chose comme ça. Histoire d'avancer correctement. Et de rythmer ça. Let's go. Parfait, parfait. Nya-ha. Non, je suis un débile. Ah, je suis un débile. Je suis un débile. Putain. C'est pas grave. Non, j'aime pas cet ennemi. Oh, il est nul. J'aime pas cet ennemi. Attendez. On va pas jouer au con. Parce que je sais pas ce qui se passe si je perds Luigi. On va mieux éviter de le savoir. Et boum. Ok. Banco. J'ai atterri sur la truffe. Soy. Soy. Et boum. Parfait. T'énerve pas, Cosson, ça va aller. Let's go. Ma fille, t'es du genre embêtante là. En fait. Ça, c'est une fille qui veut son papa. Attendez. Lui, non. Si. Oui. Bien joué. Ah putain. Il est plus rapide. Voilà, ça dégage. Parfait. Champignon. Let's go. En fait, ce qui me frustre avec cet ennemi, c'est de réussir sans faire exprès à chaque fois. C'est vraiment pas mon mob préféré. Hein. Feuille Spiria. Let's go. On va la trouver, ça, Gomina. On va la trouver. Niveau sup. Niveau 6. Putain, on est bon. Oh là là, oh là là, oh là là. Prochaine session, chat. C'est sûr, on passe le niveau 8, du coup. Et avec ça, on saura enfin ce que c'est la carapace verte. Hein. Ça se trouve, c'est juste un objet. Mais j'espère que c'est plus que ça, une capacité spéciale ou j'en sais rien. Une stat buffée. J'espère juste que le jeu va me promettre quelque chose de bien. Nintendo, on compte sur vous. Non, 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 non. Ah, mais non. Je voulais le fuir. Ah, c'est pas grave. Ah, puis vas-y, il est bien engagé. Vas-y, on y va. Boum. Boum. De toute façon, c'est pas comme si des combats il allait falloir en faire. Il y a un chat qui est devant l'écran. Mon chat, je ne vois pas. Ah, vite! Ah, nickel. Ok, ok. Ne panique pas. On y retourne. Ok. Alors celui-là c'est fait. Vas-y, on va quand même faire celui-là. Voilà. Ah. Par contre, le dernier il est full, hein. Nickel. Nickel, nickel. Banco. Clac, clac. Boum. Tac. Ouais, ouais. Ça ira. Parfait. C'est bon, est-ce que je peux avancer sans qu'on m'embête? S'il vous plaît? Un petit peu? Du coup, il y a quoi par là? Ok, un deuxième... Ah, nique-toi! C'est bon, j'ai compris. Donc, c'est deux ponts en plateforme mobile. Très bien. Et c'est pas tranquille. Ok. Mmh. Ça ne va plus. Faites vos jeux.
C'est pas grave. Non! Non! Mais non! Mais le jeu, il a dit ça marche pas comme ça! Retourne chercher ton frère! Mais non! Mais... Allez, c'est pas grave. Tant mieux. J'avais grave la flemme pour le coup. Mais non, mais ça marche pas comme ça! Ah oui, donc t'es obligé d'avancer avec ton ref, en fait. Moi, je pensais il allait se TP. C'est pas gentil. Ah. Ça va. Arrivé au bon moment. Allez, juste moi. Allez, c'est pas grave. C'est qu'une pièce. Eh, en plus, le jeu est gentil, il m'en donne d'autres. Normalement, on doit y être, là, non? Miss Gomina. On va l'appeler Miss Gomina. Oh mon dieu! Point de bestioles répugnantes! Ah, oh, vous n'êtes point des bestioles, mais... d'altier moustachu, en fait. Que me vaut le plaisir de vous voir? Mais qu'est-ce que vous faites percher ici, ma petite dame, pour sûr? La petite dame a un nom qui se trouve être Felicia, enchantée. Mais ça, alors, une bestiole! Une bestiole qui parle! Je suis pas une bestiole, je suis la bestiole. Pas plus que je suis un cosson ou une tirelire. Ho, ho! C'est bien compris, ma petite... enfin, Felicia. Ne me couinez pas dessus de la sorte, voyons. Je cherche ici de quoi fabriquer de la gomina. Et justement! Pardonnez-moi, sieur moustachu. Êtes-vous intéressé par ma gomina? De la gomina à moustache? Mes produits capillaires sont parfaitement indiqués aussi pour la pilosité faciale. Tu me parles, madame, tu me parles. Est-ce que t'as quelque chose pour la barbe? Sors que ce soit doux. Si vous désirez une moustache lisse et soignée, c'est ce qu'il vous faut. Parfait. Oui, oui, il nous en faut, pour sûr. Je vous fournirais volontiers un gomina si je pouvais rejoindre mon magasin. Et là, je ne suis pas certain de réussir à descendre de mon perchoir. Oh? Vous souhaitez me porter? Bien sûr. Je dois admettre que je ne vois pas comment descendre par mes propres moyens. Alors soit, je vous autorise à m'assister. En plus, il y avait des serpents. Mais une condition, que vous restiez à bonne distance des affreuses bestioles. Oh, oh me dis pas qu'il faut vesquiller les serpents et tout, hein. Et qu'après elle se TP, elle revient ici. Ah non, si c'est ça, ça va être horrible. Vous êtes sûr de pouvoir y arriver? Et si vous vous entraîniez à me porter? Bah voilà. Eh bien, que d'enthousiasme. Allons-y, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Facile, j'espère. 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 J'ai peur, chat. J'ai peur. Ça se passe. Mais non, mais c'est pas moi, c'est... Pas de bestiole, je refuse. Ah là 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 là. Ah, oh, j'ai perdu toute contenance. Ces vilaines bestioles me mettent dans des états... Brrr, pas possible. Alors si vous en voyez, évitez-les, ça vaudrait mieux pour tout le monde. Bon par contre ça va, c'est juste les toucher. Mais non, j'ai pas eu de bol parce que... Attends, je vais faire le premier passage. Parce que si Luigi fait des singeries derrière moi... En fait ça va, vraiment je peux les approcher, il faut juste pas que je marche dessus. Mais en fait Luigi s'est laissé marcher dessus. Et là j'ai pas le choix en fait. Voilà. Attends. Non, c'est par là, hein. Oui, c'est par là. Ok, ok. Je me demandais pourquoi il y en avait autant en plus tout à l'heure. Les baits. C'est bon. Et normalement, nous y est. Ah oui, parfait. Palapapa, le magasin de Felicia. Merci de tout cœur, vous êtes de jeunes moustachus bien galants. Bien, bien couillons aussi, hein. Vous m'avez ramené saines et sauves à mon magasin. En échange de vos bons et loyaux services, comme promis, voici de l'extra glamina. De l'extra... Vous avez obtenu l'extra glamina. Plus ma gomina gagne en popularité et plus je me réjouis. N'hésitez pas à vous tartiner d'extra glamina. La moustache à Luigi qui est passée à plus 160. Attendez, du coup, est-ce qu'on peut... regagner la ville par là, hein. Que tout à l'heure, ah, ça donnait l'impression que... Ah, dommage. Attends. Là. Mais je suis pas fou. Là. Voilà, merci. Oh, aïe, 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 terrible. Non, ça donne l'impression qu'on peut, mais en fait, le jeu me dit nope. Ou alors, j'ai pas vu...
Je crois que c'est. Ou alors j'ai pas bien vu. Et par là, il y a quoi? Ah, c'est... Oui, ok. Je vois où nous sommes. Ouais, les îles sont pas très grandes, en fait. Ça donne l'impression en regardant la map, mais au final, t'as vite exploré. Hein. Et du coup, il y a un truc qu'on n'a pas fait, et qu'on fera pas de suite, apparemment, parce que le jeu n'en parle même pas. Mais c'est ce... Attends. C'est ce conduit-là, là. Apparemment, ça, on s'en fout pour l'instant. Hein. Terrible. Hein. Alors que j'ai trop envie de savoir ce que c'est. Ça brille et tout. On a la Gomina. L'extra Gomina. Parmigiano. Mais c'est de la Gomina. C'est juste ce qu'il nous fallait. Oh, merci. Merci. Oh, yeah. Et on en est à 2h40. C'est dingue. Hein. C'est ça. Très moussim, regardez. C'est le temps qu'il faut pour faire une île. Oh, il est fabuleux. Ah ouais, ah oui, c'est plus le même là. C'est déjà mon perso préféré. C'est déjà mon perso préféré. Le Trémoussim, le Trémoussim est de retour. Ouha, mais en voilà bébé, les gars, je pète la forme, ouha. De retour, ou presque. Musique, maestro. Je dois me trémousser. Il est incroyable. D'accord. Il a fait des prises de kung-fu. Bravo, bravo. Waouh, c'est reparti. Wouhou. Ouha, bam les frères à moustache. Merci pour la Gomina, mes choux. C'est pile ce qu'il me fallait. Vous savez danser, au fait, les frérots. Je vais vous apprendre une choré simple. Oh, Nico, attends quoi? Laissez-moi vous assister, Trémoussim. Peut-être une technique? Ok. Mec. Waouh, simple. Oh, yeah. Le petit coup à la fin, il était simple. Suivez le rythme et appuyez sur A, B, X, Y pour que Mario Luigi réalise la danse fraternelle. Appuyez sur les boutons pour suivre le rythme et les mouvements des cercles afin de réaliser de super pas de danse. Arriverez-vous à me suivre? Montrez-moi que vous avez le rythme dans la peau. Ouha. Extra Gomina. Let's go. Let's go. Ça va, plus dur encore. Waouh. Et pardon, ça allait vite quand même à la fin. Hein. On a été bon. Oh ! Mais oui. C'est le chemin qui menait au phare. Ouh ! Ah ! Parfait, simple, efficace, magique, magnifique. Et avec ça, on va retrouver J'ai fait ça, monsieur, dame. Eh, une bonne session bien garnie, moi je dis, hein. Et regardez-moi ça, vos trémoussages ont électrisé la pousse Pyrélia. Elle a grandi. Elle est gominée. Quelle aventure, mes amis. J'espère qu'on se reverra sur une piste. Ouha. Electrol, prêt à reprendre du service? Plus que prêt, Trémoussim Electroc. Ouvre le bal et je suivrai. Alors dansons de toutes nos forces. Eh ben voilà. Alors juste, attendez, il y avait quoi au-dessus, là? Là, juste là. C'est quoi ici en fait? J'avais pas été voir là. C'est quoi ça? Le grand conducteur dans les méandres de l'histoire. Le grand conducteur esprit protecteur de Connexia. On sent qu'un être immense a laissé son empreinte impérissable dans la roche. C'est ses fesses. Est-ce que c'est ses fesses? Mais du coup, attendez. Le jeu commence à me parler d'un grand personnage là, le conducteur. Ça veut dire qu'on va le rencontrer? Attendez, il y avait un truc là, je suis pas fou, hein. Yes. Le grand conducteur. Ça me chauffe, j'ai hâte. Let's go. Oh, oui. Satisfaction, tonton. Ça me rappelle ce jeu Rock Band Lego, comment c'était bien. Parfait, j'ai fait ça, comment tu vas? Enchanté. Vous deux, vous n'êtes pas ordinaire. J'étais là, au perché, j'étais là, et j'ai tout observé. La danse est universelle, elle fait vibrer, elle est belle. Je vois les gens ravis, souriants.
La vague enfle, irrévocablement. Je ne pouvais poser des mots sur cette situation. Mais je sais à présent que je suis là pour répondre à un besoin de destruction. What? Je me demande comment se porte ma famille à la maison. Ils vont bien. Accompagne-nous. Évite ton voyage. Mais en attendant que vous raccordiez l'île... Oui? Je pense que je vais aller danser avec Steel. De toute façon, on en a pour 5 secondes. Elle aura même pas le temps de descendre. Même si je dois l'avouer, votre performance sera difficile à surpasser. Oh yeah! Parfait. On est en train de former un vrai équipage, chat. Le One Piece! Attends, on est bon. Et ben voilà, une bonne, très bonne session. Je suis content. Peut-être qu'en l'épisode prochain, on aura atteint le grand phare. Hein. Qui sait? En vrai, je pense pas. Ça fait beaucoup quand même. Boy boy! Retour à la Casbah! Connection! Spiralia est fibrée! C'est ça que c'est bon! C'est ça que c'est bon! Et avec ça, tout plein de comment ça s'appelle déjà? Tout plein de ces bestiaux qui brillent. Ah, j'ai oublié comment ça s'appelle. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Let's go. Mais du coup, cette map là qu'on voit, c'est pas la map entière en fait, c'est juste la map sur mon courant marin en fait. Ce qui veut dire qu'il y a 4 fois cette map là à faire. Si je comprends bien. Ça, c'est juste la map qui mène au grand phare. D'ailleurs, peut-être que le fait de suivre certaines petites îles permet d'aller vers des îles secrètes, du coup. Nous verrons bien. Du coup, je pense que, genre, le niveau max, ça doit être 50, un truc comme ça. Je vois pas le jeu aller beaucoup plus haut, en fait. Alors, toute la petite famille réunie, c'est beau. Ça commence à ressembler à quelque chose de bien, c'est pas mal. Je dirais que le raccordement de l'île s'est passé comme sur des roulettes, pour sûr. Oh yeah! Allons demander à Archibald et aux autres s'ils ont trouvé des infos sur l'île du Grand Phare. Pour sûr. Eh ben voilà! Et là on est pas mal! Ah et du coup, le fait que j'ai fait ça soit là, tout le monde s'en bat avec. Même pas un petit point en mode... Yo ma sœur, content de te revoir. Oh, Mario et Luigi! Vous revoilà tous les deux! On a des ennuis! Je vais éternuer. C'est ça les ennuis. On a des problèmes! De trop gros problèmes! Mario! Luigi! Venez vite à Corulia! Kegebas. Oh, pardon, je me suis calmé. J'ai failli paniquer, dis donc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a des ennuis! Ces voyons sont revenus! Ils ont retourné toute l'île! Oh, peut-être qu'on va rencontrer le grand méchant. Cette fois, ils ont même amené leur chef. On va rencontrer le grand méchant. De quoi? Mario, Luigi, allez les gars, vous devez sauver l'île. C'est vrai, on a besoin de vous. S'il vous plaît, protégez Gorulia. Comme Gorulia est raccordé, vous pouvez y aller en empruntant ce tuyau. Yes. J'avoue que c'est pas mal ça. Mais du coup, ce sera pour la prochaine session. On a bien avancé, messieurs, dames. Quasiment 3 heures d'aventure. 3 îles d'exploration. Niveau 6. Pas encore de boss, mais peut-être dans l'épisode prochain. Voire même, c'est quasiment sûr. Hein. La carte maritime a bien avancé. On sait que le grand phare est ici. On sait qu'il faudra qu'on en accomplisse plusieurs. Notamment avec ce qu'on voit là. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que ça parle de 5 secteurs, alors que je suis sûr qu'ils avaient dit 4 grands phares. Donc ça se trouve, il y aura peut-être un secteur bonus, voire un secteur final qui s'ajoute à tout ça. Bref, ce sera à découvrir dans la prochaine session. Est-ce que le navisme va évoluer? De nouveaux marchands, des constructeurs, des nouveaux personnages importants? Est-ce qu'on va apprendre de nouvelles techniques? Avoir de nouveaux outils? Bref, avoir une aventure plus fournie? Et bien écoutez, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Pour l'instant, le jeu est chouette. J'ai hâte de voir ce que ça va nous proposer d'autre. De toute façon, on vient d'avancer. Enfin, pardon, on vient d'engager l'aventure. Donc maintenant, je veux savoir où c'est qu'on va. Et on le saura très vite. Objectif, le One Piece! Allez, des bisous! Ciao, ciao!